Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le pas de tir des archers Riomois pour ces championnats de France qui réunissent l'arc Apulie et l'arc classique. On a pu suivre il y a quelques temps et quelques jours les épreuves jeunes. On passe cette fois à l'élite, à ce qui se fait de mieux en termes d'archers tricolores. À mes côtés pour parler un petit peu de ces championnats de France, le président de la Fédération française de tir à l'arc, Jean-Michel Clairoy. Bonjour Jean-Michel. Bonjour Fabrice, bonjour à toutes et à tous. Alors quelle était l'idée d'essayer de regrouper Apulie et classique sur cette édition? Oui, on a effectivement entrepris des changements, je dirais certains appellent des réformes aussi dans notre filière sportive, et effectivement on a souhaité finir un peu la saison sur l'élite avec un championnat de France qui regroupe les arcs classiques et les arcs Apulie. Et la saison se terminera un peu plus tard avec ce qu'on appelle la Coupe de France, voilà, sur le tir en extérieur. Alors, on va parler international, mais on va rester français. Bonne nouvelle, on va avoir deux tricolores sur la prochaine finale de Coupe du Monde en septembre à Moscou. Oui, bonne nouvelle, effectivement, après une saison qui était longue, dense, avec bien sûr en point de mire les Jeux de Tokyo. On aura l'occasion d'en reparler en début de saison prochaine. Mais en tout cas, cette saison, on a donc en arc Apulie avec Sophie Daudemont qui a gagné sa place donc sur la finale. Ce sont les 8 meilleurs archers au monde, je rappelle, qui seront sur cette finale qui aura lieu à Moscou début septembre. Et puis après, une magnifique médaille d'argent en Colombie en début de saison, Mélanie Gobille, en arc classique, qui a gagné sa place aussi. On aura deux Françaises qui font tout pour aller chercher une médaille sur le podium de cette Coupe du Monde. Et ben, on leur souhaite en tout cas. Merci beaucoup, Jean-Michel, d'avoir été à nos côtés pour débuter cette nouvelle journée de championnat de France. On va, juste avant de vous laisser, quand même faire une petite allusion rapide, mais sur un événement d'importance, puisque la France va à nouveau organiser dans les saisons prochaines de grandes compétitions internationales. Oui, juste quelques mots, puisque ça a été validé. La fédération s'est portée candidate à l'organisation d'une manche de Coupe du Monde, la manche de Coupe du Monde en Europe, puisqu'il y a une par continent, sur les années 2021, 22 et 23, en amont de Paris, bien sûr, en 24. Préparer aussi nos athlètes et préparer aussi le tir à l'arc, la vision du tir à l'arc en France. Donc la Fédération internationale a attribué ces trois manches à la France. On aura le plaisir, effectivement, on aura l'occasion d'en reparler, mais on aura besoin du soutien et aussi ce qu'on appelle les volontaires ou les bénévoles, puisqu'on va faire un grand appel pour venir justement organiser et supporter nos archers et puis faire de cette manifestation une très grande compétition qui est attendue aussi au niveau international. Venir à Paris, c'est toujours un plaisir, surtout avant les Jeux. Eh ben super, c'est une bonne nouvelle, Jean-Michel. Merci beaucoup. À très vite. On va se concentrer maintenant sur la compétition avec Quentin Barrère qui va nous rejoindre. Quentin Barrère, il est archer, évidemment. Il est spécialiste de l'arc Apulie, la discipline que nous allons suivre immédiatement. Et on va commencer, Quentin, par les épreuves mixtes. Bonjour à tous. Bonjour, Quentin. Les épreuves mixtes, donc par définition, un garçon, une fille. On commence par la petite finale, c'est-à-dire le match pour l'obtention de la médaille de bronze. Avec, vous avez vu il y a quelques instants, pendant qu'on discutait avec le président, la présentation de ces archers. Alors, deux clubs représentés. Attendez, on va vérifier tout de suite l'info, parce que moi, j'ai un Moreuil. Oui, Moreuil et Fontenay-sous-Bois. Et voilà. Fontenay-sous-Bois à l'image, avec Chris, qui commence très bien son match. Voilà. On a Élise Chanoine pour Moreuil, qui fait équipe avec Ludovic Olmo. Et de l'autre côté, Alexandra Gallet-Dutriez, accompagnée de Chris Hennick. Et donc, on peut expliquer un petit peu les règles pour ceux qui sont néophytes du tir à l'arc. En mixte, y compris en arc Apulie, eh bien on procède par 7. Oui, non, on est directement au point. Donc, on va avoir 4 volets de 4 flèches pour un total de 160 points. Voilà. On va accumuler le total des points pour obtenir évidemment la meilleure des équipes à gagner. Alors il faut expliquer qu'on a deux types d'arcs. L'arc classique qui est l'arc olympique que nous suivrons tout à l'heure. Cette matinée est consacrée à l'arc Apulie. Alors l'arc Apulie, expliquez-nous un petit peu les spécificités, Quentin, de cet arc. Alors l'arc Apulie, on va sur un arc mécanique. Les deux principales différences entre un arc classique et un arc Apulie. Donc là vous le voyez à l'image, Chris a un équipement dans sa main
Il ne tient pas la corde avec, directement avec ses doigts. Donc on va avoir un décocheur qui va permettre d'être beaucoup plus régulier sur la libération de la flèche. On a également, là aussi on le voit à l'image, un viseur avec une loupe et un système de visette sur la corde. Donc là encore, ça va permettre d'augmenter la précision au maximum. Voilà, on le voit très bien à l'image ici. Donc voilà, plusieurs mécanismes qui vont permettre d'accroître la précision au maximum. Alors est-ce qu'on tire à la même distance en arc à poulie qu'en arc classique ? Alors non, on va tirer à une distance différente. Ici, là, les archers, on les voit, on tire à 50 mètres sur un blason de 80 cm réduit dans le sens où on va avoir le minimum de zone par rapport à un blason complet. Ici, vous voyez, la valeur minimale des flèches commence à 5 points et non 1 point. Voilà, ça va être la principale différence, donc la distance et le blason qui est différent. Alors bien sûr, on tire en alterné, hein. Chaque archer au total de chaque volée va tirer deux flèches, et juste après avoir effectué ces tirs, il y a la vérification très importante par les arbitres. Et puis ces arbitres sont accompagnés de gens qu'on appelle des agents qui vérifient pour leurs archers respectifs le bon déroulement et le bon scoring de ces flèches. Il peut y avoir de temps à autre des vérifications importantes. Je ne sais pas, je regarde si c'est le cas, c'est pas le cas là a priori, mais lorsqu'une flèche touche le cordon, et pour le moment, il n'y a pas de questions à se poser. Pas de problématique pour l'instant. On voit que Morey a très bien commencé avec une volée à 38 points, une petite flèche qui est partie au 8, mais globalement on est quand même sur un bon niveau. Fontenay-sous-Bois n'est pas en reste, hein, il reste quand même à l'affût pour l'instant, juste un point d'écart, rien n'est fait. Et puis, on voit que Fontenay est parti tout de suite à gauche sur la première flèche. Ça c'est certainement dû au vent, probablement. On est beaucoup plus près du bâtiment que sur le terrain de tout à l'heure, sur le terrain d'entraînement. Donc ça peut faire varier les impacts en cible. Voilà, ça peut arriver. On a vu que le vent peut tourner assez rapidement. Le vent peut tourner, le vent il peut être par rafale aussi de temps en temps. C'est aussi pour ça que peut y avoir des surprises. Rien n'est fait aussi à cause du vent. Voilà, vous voyez les drapeaux qui sont d'excellents indicateurs pour les archers qui doivent s'adapter, hein, notamment en arc classique, on en poulie, donc il y a plus de puissance, donc peut-être que le vent est un petit peu moins gênant. Alors il va être moins gênant pour le vol des flèches, maintenant il va être plus gênant sur l'impact de l'archer en fait. C'est l'archer qui va vraiment avoir l'impression de bouger en cible, la visée va vraiment être plus délicate. Donc c'est là où effectivement ça peut être vraiment difficile, notamment quand on va tirer avec un système de déclenchement, ce qu'on appelle en back tension. Donc on va avoir on va pas décider quand la flèche va partir, où là effectivement on peut avoir des difficultés à cause du vent. A priori ce n'est pas le cas ici. Alors c'est Fontenay Sous-Bois qui va commencer, puisqu'ils sont menés au score avec tout de suite Alexandra Gallet-Dutriez, qu'on a déjà eu l'occasion de voir sur des précédents championnats de France. Oui, habitué des finales mixtes. Déjà médaillé dans cette épreuve. Bien tiré, c'est un 10, ouais. 10. Très bien tiré. Son partenaire, Chris Hennick. Beau groupé également pour Chris qui pour l'instant n'a pas fait autre chose que 10 points. Elise Chanoine qui a commis une erreur là, effectivement. Maintenant 6, peut-être une flèche sur le cordon, mais il était assez proche. Ludovic Olmo. Une flèche également, 10 points. Il
Il y a une belle opportunité hein, pour s'emmener, pour recoller au score et peut-être même passer devant. Oui, il y a même moyen d'aller chercher une belle avance. Maintenant, il va falloir correctement les tirer. On rappelle que encore à gauche. Nous sommes dans la petite finale. Hein. C'est une médaille de bronze à aller chercher. Une troisième place au championnat de France. C'est toujours bon à prendre. Et 10. Encore un 10. Ouais, belle volée. Oui, belle volée et beau tir de Chris sur cette dernière flèche. Là, de toute façon, on va pas pouvoir faire mieux du côté de Moreuil. Et là encore, les flèches repartent à gauche. Peut-être encore à cause du vent, je ne sais pas. On est bien abrité d'ici. Donc on a un peu de mal à sentir le vent, mais alors on voit les drapeaux on qui, voit les drapeaux qui peuvent bouger. Ça peut être assez 9 points ici. Et voilà, donc c'est Fontenay hein, sous bois qui reprend 4 points d'avance, qui était mené sur la première volée. Bon, ils ont profité d'une erreur. Hein. De la part de leurs adversaires avec un 6. On vérifie ces fameux scores. Voilà les flèches qu'on va valider. 38 sans aucun souci pour Fontenay. Avoir Moreuil. L'arbitre est en train de regarder de plus près. Ouais, il faut voir pour Moreuil si c'est bien un 6. Bon, de toute façon, ça ne changera pas grand-chose. Alors c'est vrai qu'on imagine toujours aisé de profiter d'une erreur de l'adversaire, mais c'est pas toujours le cas. Hein. Non, c'est pas toujours le cas. Et puis il reste encore la moitié du match, rien n'est fait, dans le sens où Fontenay va pouvoir peut potentiellement aussi faire une erreur. Effectivement, pour l'instant ils sont très très bien dans le match. Chris pour l'instant ne commet pas de faute de tir, il reste dans le 10. Alexandra tire également très bien. Maintenant, ça peut arriver, une grosse bourrasque devant, une flèche mal tirée, et on peut vite partir à la faute. Donc, rien n'est fait. Maintenant, effectivement, Fontenay peut repartir un peu plus libéré. Ils ont forcément l'avance, donc ça rend le tir un peu plus libre. On est en 4 volées, hein, c'est ça. Allez, c'est ça, 4 volées. Donc là, on est à la moitié du match. Donc forcément, Moreuil, qui est en retard, n'a pas le choix. Alors on voit des éléments intéressants hein, aussi sur cet arc. Beaucoup d'accessoires. Hein, oui, beaucoup d'accessoires, forcément. En arc à pli, on va avoir plusieurs choses. Donc on a vu tout à l'heure le viseur et le système de grossissement de loupe. On a également sur certains arcs, ça dépend des choix d'équipement. On va voir là, on voit ici un repose-flèche, ce qu'on appelle à effacement. C'est-à-dire qu'il va monter maintenant et quand la flèche va être libérée, il va descendre pour laisser complètement libre le vol de flèche. Voilà, 9 points. Oui, on est vraiment sur le cordon. Oui. Sur cette flèche tirée par Élise Chanoine. Oui. 10 points encore. Je pense que ça va être une petite finale très serrée. Oui, ça va être serré jusqu'au bout. Je pense que Moreuil ne va rien lâcher, mais c'est normal. Hein. On a tous, quand on est en petite finale, envie d'aller chercher la médaille de bronze. Maintenant, je pense aussi que Fontenay va se battre jusqu'au bout. Un 8 à gauche. Oui, effectivement, on est toujours un petit peu à gauche. Une flèche à gauche, une flèche dedans. Après, ça peut arriver, des petites variations. Pour l'instant, Chris fait sa part du job, comme on dit. Petite hésitation au lâcher. Ça part 9 à gauche encore. Une belle flèche,
on est peut-être 10. A priori, on touche le cordon. A priori, je pense que ça touche aussi. Belle flèche, pas d'hésitation. Belle opportunité pour peut-être recoller au score. Ah, c'est un 7. Oui, faute de tir ici. Peut-être un peu de précipitation. Et c'est un 7 en bas. Et Fontenay a l'occasion de continuer à prendre des points. Finalement, conforter son avance. C'est un 8 cette fois de l'autre côté. Peut-être un peu de crispation. Je pense que l'ensemble des archers ont envie de donner le meilleur de soi-même, d'aller chercher la médaille. Et c'est un 9. Et donc, on garde un petit point. Ils ont bien grignoté. Hein, oui, bien grignoté. Effectivement, même avec un 7, des belles flèches à côté. Donc, forcément, on reprend des points. Un seul point d'avance avant la dernière volée. Donc, vraiment, match très serré. Alors Quentin, on va parler un petit peu de vous, hein, parce que vous avez été quand même à plusieurs reprises, deux fois cette saison et deux fois l'an passé, sélectionné en équipe de France, tout à fait. D'Arcapouli. Vous avez disputé au total 3 Coupes du Monde, 2 l'an passé, une cette année. C'est ça, oui. Donc voilà, c'est quand même impressionnant, j'imagine, de passer au niveau international et d'aller sur ces fameuses Coupes du Monde. Ouais, très impressionnant, très très plaisant aussi, parce que forcément on s'entraîne tous les jours pour atteindre ce niveau-là, essayer d'aller titiller les meilleurs archers mondiaux. Est-ce que la hiérarchie est la même qu'en arc classique? Ça va être beaucoup plus. Je pense que c'est encore déjà que le niveau arc classique est extrêmement dense, peut-être encore pire en arc à poulie maintenant. Énormément d'archers peuvent au final remporter les médailles d'or sur une Coupe du Monde ou sur un championnat. Je pense qu'on n'est pas loin de la vérité en disant qu'il y a quasiment 30 archers au départ des compétitions qui peuvent prétendre à une médaille d'or. Donc vraiment une densité impressionnante. Il reste tout de même effectivement des nations fortes. Hein. Je pense que là, on peut dire que la France en fait partie. Deux anciens numéro 1 mondiaux qui seront dans les finales tout à l'heure. On va les voir tout à l'heure. Ça va être très intéressant, hein, d'ailleurs, ces matchs. Notamment, alors il y aura la petite finale avec Pierre-Julien Deloche qui sera opposé à Yann Damour. Et puis Sébastien Pénaud, hein, que vous connaissez si vous suivez un tout petit peu le tir à l'arc. Un des tout meilleurs archers aussi, hein, au niveau arc à poulie, qui sera opposé à Jean-Philippe Boulch. Oui, Jean-Philippe qui est pas en reste non plus niveau curriculum. Peut-être un peu moins bien classé au classement mondial, mais cette année, médaille de bronze à la première étape de Coupe du Monde, médaille d'or avec ses collègues Pierre-Julien et Sébastien à la Coupe du Monde de Berlin. Donc grosse saison encore pour Jean-Philippe cette année. Allez, on repart avec 2 petits points d'avance seulement. Belle flèche ici pour 10 points sous bois. Et tout va se jouer maintenant dans cette volée, la dernière. Et Moreuil qui a l'occasion de mettre la pression sur Fontenay-sous-Bois. Et 19 points au total. Et Alexandra sur le pas de tir. Prend son temps. Oui, belle flèche. Ouais, elle a eu raison de prendre son temps. Alors c'est vrai qu'avec l'arc à poulie, on peut rester peut-être plus longtemps, hein, armé qu'en arc classique. Oui, on peut avoir plus de variations de timing sans pour autant être déstructuré. Effectivement, en arc classique, le timing et le rythme vont être vraiment primordiaux. En arc à poulie, oh, il est beau ce 10. Très très beau 10. Plein sang. Fontenay-sous-Bois qui n'est pas en reste. Ouais. 20 points, score maximum, avant les deux dernières volées, ouais. Deux dernières flèches. Encore une belle flèche, elle ne touche pas le 10, c'est dommage. Mais oui, comme je disais, en arc à poulie, on va être effectivement tout de même sur des notions de rythme et de fluidité. Maintenant, on va pouvoir aussi éventuellement faire... avoir des légères variations sans avoir de variations de performance. Donc, voilà, 10 points pour terminer. Belle volée pour terminer, ouais, pour Moreuil. Très belle volée. Bon là, il
faut assurer, entre guillemets, même si c'est jamais si simple que ça. C'est ça. Du côté de Fontenay-sous-Bois. En tout cas, il faut éviter l'erreur pour assurer cette troisième place. 9.9. Voilà, la dernière flèche. Suffisamment de temps pour son coéquipier pour. Il suffit d'un 8. Hein. Terminé. Mais bon, il suffit. C'est toujours facile à dire. Magnifique. Et voilà, c'est un 10. Très belle volée pour terminer hein, de la part de Fontenay-sous-Bois qui monte donc sur le podium, sur la troisième marche exactement, et obtient la médaille de bronze. Oui, bravo à Fontenay et qui a réussi à tirer un très très beau match dans des conditions un peu difficiles. Dans l'arène également. Donc, et bravo à Fontenay pour cette belle performance. Les applaudissements à nouveau pour celui de tout à l'heure. On va voir la médaille de bronze. Autour du coup, Alexandra et Chris. C'est l'heure de nous confier vos impressions. Alexandra, venez à côté de Chris. C'est l'heure tous les deux de nous confier vos impressions. Alexandra. Alors je suis ravie déjà parce que personnellement je reviens d'un peu de loin, je reviens sur les pas de tir avec 2 ans d'absence, avec quelques titres effectivement, mais au niveau national, hein, j'ai pas de. Mais voilà, et puis un mixte effectivement, 2 mixtes gagnés en argent et en bronze il y a 5 ans et 3 ans. Donc voilà, aujourd'hui je partage avec Chris et je suis ravie. Voilà, ce sont d'autres émotions. C'est d'autres émotions, c'est toujours un mixte que j'adore et voilà. Mais merci Chris. Allez, Alexandra, les applaudissements. Et Chris, il lui a bel hommage. Oui, merci à Alexandra. Et puis, moi, c'était ma première expérience en double mixte, en plus. Mm-hmm. Qui plus est, avec une arme que j'ai appris il y a quelques années, il y a 3-4 ans. Et puis, c'est un grand plaisir de faire un bon week-end en individuel, qui porte le mixte déjà à une plutôt bonne place. Et puis, un joli parcours avec Alexandra. On n'avait pas d'expérience ensemble. Mais je pense qu'on s'en est super bien sorti. Et puis, ça se concrétise avec une belle troisième place, je pense. Très bien. On peut applaudir, s'il vous plaît, ce double mixte. Fontenay-sous-Bois, une première collaboration soldée par une médaille de bronze. Et merci à vous également, le public, d'avoir joué le jeu. On va pouvoir. Voilà le programme horaire. On va pouvoir dans quelques instants faire l'entrée en lice des coachs et de l'arbitre de la finale pour la médaille d'or double mixte. Et le tableau de ces équipes mixtes. Pour ce premier trio qui vient nous rejoindre. Avec la médaille de bronze de Fontenay-sous-Bois que l'on a pu voir à l'instant. Dans le carré de Sarcelles, Agnès Froment pour. Coaché et Delphine Vaught du côté de Saint-Jean-de-Brec. Et vous continuez les applaudissements, s'il vous plaît, pour l'entrée de nos deux équipes qui vont se disputer cette finale pour la médaille d'or, le double mixte Arcapouli. Et voilà, on passe maintenant à la grande finale, toujours en mixte, avec l'Arcapouli. Et si vous connaissez aussi le tir à l'arc, ne serait-ce qu'un tout petit peu, vous avez pu reconnaître Sophie Daudemont. Et on va déjà présenter l'équipe de Saint-Jean-de-Bray avec Clémence Frégnaud et Sylvain Vaught. Sarcelles donc emmenée par Sophie Daudemont et Thibaut Degoulet. Alors Sophie Daudemont,
Vous la connaissez certainement parce qu'elle pratiquait auparavant le tir classique. Elle a même fait les Jeux Olympiques, obtenu d'ailleurs une très belle médaille de bronze par équipe. C'était en 2008. Elle a arrêté sa carrière internationale pendant un certain temps. Et puis, elle est revenue en se disant, allez, je vais faire de l'arc classique. Et elle performe autant, si ce n'est encore mieux, en poulie, pardon, qu'en classique. Sophie Daudemont, elle a fait une très, très belle saison à nouveau cette année. Elle est accompagnée donc de Thibaut de Boulet qui va participer la semaine prochaine également au championnat de France en campagne, de tir en campagne, qui se dérouleront non loin à Saint-Mion, pas très loin de Rion. On est vraiment dans une région de tir à l'arc ici. Et puis Sophie, donc comme je vous le disais, elle a fait une belle saison. Elle s'est sélectionnée pour la finale de Coupe du Monde qui aura lieu à Moscou. Elle commence d'ailleurs par une très très belle flèche. Très très belle flèche de Sophie pour commencer. En 2013, elle avait déjà disputé. Elle est invitée sur la finale de la Coupe du Monde. C'était à Paris. En 2018, elle l'a disputée aussi en Turquie, à Samsun. Sa troisième participation bientôt en Coupe du Monde. Cette année, elle a fait une deuxième place à Berlin. Elle est vice-championne du monde en mixte. Et elle est troisième en individuel aux Jeux européens. Voilà pour le portrait de Sophie. Un des plus gros palmarès du tir à l'arc français. Avec des médailles en arc à poulie, en arc classique. Des gros gros titres. Un titre de champion du monde en 2014 en salle en France, à Nîmes. Donc voilà, il y a énormément de médailles. Donc forcément une gros adversaire pour Saint-Jean-de-Vray sur cette finale. Et Sophie, on la retrouvera également en finale individuelle tout à l'heure. Les face 7. À Lucie Burnet. C'est bien parti pour Sarcelles, en tout cas. Bel début de volée avec 2-10. Sophie va-t-elle poursuivre sur des 10? Non, c'est un 9. C'est un 9. Allez, Thibaut de Boulet. Et 8 points. Peut-être un peu de précipitation sur cette flèche. On sent que le vent est plus fort que tout à l'heure. Il s'est levé, le vent, assurément. On voit les archers se faire chahuter un peu en visée. On voit les arcs qui bougent. La visée qui est un peu instable, mais un 10 tout de même. Belle volée également pour Saint-Jean-de-Bray. Ouais, petite erreur de Clémence pour commencer, mais bien rattrapé tout de suite. Clémence aussi, première saison en international cette année, qui a débuté avec le Grand Prix européen début avril. Elle a participé au championnat du monde avec Sophie cette année. Voilà, elle est archère aussi qui commence sa saison, qui commence elle sa carrière internationale, à comparer à Sophie qui a énormément d'expérience. Ah oui. C'est vraiment sympa à voir ces épreuves mixtes. Je ne sais pas si Quentin vous aimez cette discipline. Si, moi j'aime beaucoup parce qu'effectivement ça permet le rythme est soutenu. Il n'y a pas moyen de se poser de questions. C'est aussi intéressant de partager ça avec des archers qu'on n'a pas forcément l'habitude de tirer avec, dans le sens où sur les championnats de France de D1 en division nationale, on va être avec des coéquipiers masculins ou féminins. Et là, forcément, tirer en mixte, ça amène autre chose. Et c'est forcément plaisant. Alors vous êtes licencié à la compagnie des archers de Rennes. On voit souvent aussi sur les finales, les grandes et les petites de championnat de France. On a vu chez les jeunes. Des bons résultats justement à titre de champion de France en mixte chez les juniors. Et une belle médaille d'argent aussi en équipe
chez les filles. On retrouvera aussi. Donc, deux belles médailles sur ce championnat. Pour l'instant. Forcément, content des jeunes. Le point d'écart. C'était mérité, je pense que effectivement, Aziliz Ramel qui est au club et qui va participer au championnat du monde junior a très très bien tiré toute la semaine. Ouais, c'est très souriante en plus, oui, hein, sur le pas de tir. C'est assez communicatif. Oui. Allez, c'est reparti avec l'équipe de Saint-Jean-de-Bray menée pour le moment de deux petits points. Allez, Sylvain, je pense que ça ne prend pas le cordon. Ouais, c'est un petit peu éloigné du cordon, j'ai l'impression. Ouais. Et là, les conditions se dégradent. On voit vraiment les difficultés à maintenir la visée. Donc là, il faut se battre, essayer d'être forcément rapide, d'accélérer le tir, mais c'est souvent compliqué quand le point bouge, parfois même hors cible. Regardez. Donc là, forcément, le fait de pouvoir tirer en décocheur au pouce comme Sophie va amener une confiance. 9. Dans le sens où on va pouvoir vraiment décider du départ de la flèche. Donc là, 9 points. On voit les drapeaux qui s'agitent, les manchons aussi très importants pour indiquer la vitesse du vent. Voilà, faute de tir, je pense aussi une visée difficile avec le vent. Oui. Et forcément la volée sera beaucoup moins bonne que la précédente. Voilà, on repart sur une égalité pour l'instant à deux flèches de la moitié du match. 8 points encore à droite. 8. Belle flèche. On voit ici aussi que Clémence a réussi à accélérer son tir, à moins survivre le vent forcément. Donc ça amène une belle flèche. Ouais. Un beau 10. Qui reste très longtemps. Oui. Et qui est sur une belle flèche également. Il suffit d'un 9 pour rester devant, mais le 9, il faut aller chercher. Et 10. Et c'est un 10. Oui, beaucoup mieux tiré que celle d'avant, forcément. Je pense beaucoup moins chahuté pour le vent. Ouais. Complètement. On va vraiment voir en arc-à-poulie une grosse différence quand les conditions se dégradent. Donc les archers peuvent être d'une extrême précision, avoir beaucoup de flèches dans le 10 et être vraiment très très peu d'erreurs. Maintenant, quand les conditions se dégradent, on peut avoir tout de suite une flèche qui va partir à la faute. Ça peut aussi être difficile pour les archers de rester entre guillemets motivés pour continuer à être présent dans le match, dans le sens où forcément quand on est habitué à un très très haut niveau de performance et enchaîner les 10, à faire très très peu d'erreurs, même au 9, et voir que tout de suite dès qu'il y a un peu d'air de partir au 8 voire au bleu, ça peut forcément démoraliser un petit peu, mais c'est là qu'il faut rester dans le match, rester jusqu'au bout. Avec Thibaut Dégoulé en 2017, voilà, le gros plan proposé par Antoine de France, aux manettes de cette réalisation des championnats de France de tir à l'arc. C'est le même championnat de France de double mixte. Du coup, on va peut-être passer à 69. Hein. Et non, 70. Ce n'est pas la peine d'écouter le speaker. Écoutez le club de Saint-Jean-de-Bray. Ça ne va pas aller. Allez, le scoring. Le scoring est modifié par les arbitres de cible là-bas. On est sur. Oui, effectivement, 69 à 72, donc plus 3 pour Sarcelles. 4, ce qui amène un avantage de 3 points maintenant pour Sarcelles. Voilà, malgré une flèche un peu compliquée, de bonnes flèches pour terminer, forcément, ça crée quand même. Ça évite de se faire rattraper.
des flèches moins loin du côté de Saint-Jean-de-Bray, mais qui n'arrivent pas à accrocher le jaune, donc forcément c'est quand même compliqué. Rien n'est fait tout de même, hein, parce que voilà, il reste la moitié du match, 3 points. Il suffit d'une flèche un peu compliquée. Ouais, et d'un vent qui peut s'inviter dans le bal de cette grande finale de l'épreuve mixte et qui peut venir perturber nos archers, comme on l'a vu tout à l'heure. Allez, Sylvain Vaut. Point à gauche. Côté. Hein. Ouais. Oui. Peut-être une mauvaise lecture du vent. C'est vrai qu'on tient l'arc, il faut appréhender le vent, c'est-à-dire prendre en considération sa vitesse, son orientation. Et tout à fait, là on voit aussi une flèche correctement tirée qui repart à gauche. Peut-être un changement de direction du vent ou aussi une contre-visée qui ne, cette fois n'est pas nécessaire. Allez Sophie, maintenant. Et voilà aussi, on voit la même chose. On voit que pour Sophie également, c'est difficile et que ça part à gauche avec un 8. Thibaut de Goulet. Huit également. 8. On va avoir des volets de 8. Et là, hop, on se calme un petit peu. On a 9 points ici. Premier jaune de la volée pour Saint-Jean-de-Bray. Clément son pas de tir, il reste suffisamment de temps pour qu'il puisse tirer. 10. Voilà, beau 10, X même. Allez, à Sarcelle de tirer ses deux flèches pour soit agrandir l'avance ou la maintenir. Donc voilà, un tir à l'arc, celui qui va commencer la volée, c'est celui qui est mené. Donc forcément, le leader termine la volée. Et c'est à lui d'aller chercher ses points pour continuer à grappiller ou pour maintenir l'avance. 7 points ici. C'est un 7. Et bon, on revient à égalité, oui. On remet les compteurs à zéro hein, dans cette troisième volée. Vous voyez, hein, rien. Les jouets d'avance dans le sport, évidemment, et au tir à l'arc. Allez, une finale, je crois qu'on peut les applaudir, s'il vous plaît, les deux équipes, parce que finale vraiment très, très disputée. Et logiquement, normalement, si les scores sont validés par nos arbitres de cible, ça remporte cette troisième volée avec 3 points d'avance. Et c'est justement à se déterminer sur la dernière volée, la quatrième. À l'issue des deux premières volées, ce qui nous ramène à un score de parité. 104 à 104, troisième à l'issue. Alors là, les paris sont ouverts. 7. Le quatrième va donc s'annoncer décisif pour est-ce que l'expérience, par exemple, titre, est-ce que l'équipe de Sarcelles va réussir à garder son titre. Est-ce que c'est le fond Clément Spagnou et Sylvain s'impliquer pour Saint-Jean-de-Bray vont quelques instants prendre cette médaille d'or autour du cou. Tout à l'heure, lors de la remise des prix à l'issue des matchs individuels en poulie, on va être fixé dans quelques instants, mais vu l'intensité de la bagarre, le public de Rion, j'aimerais vraiment, vraiment que les deux clubs de supporters de chacune des équipes leur fassent une véritable ovation. Voilà, les scores sont confirmés. Allez, plus fort que ça, c'est la quatrième volée qui va décider. Donnez-leur un peu de votre énergie et de votre enthousiasme. Voilà. 104. Partout, validé par notre arbitre de cible. Dernière volée. Les quatre flèches pour déterminer quel de des équipes repartira avec le titre de champion de France. Ah oui, la dernière volée est celle qui va déterminer. Et c'est bien pour le spectacle. Allez, à Sarcelles de recommencer.
Oui, bien tiré ouais. Pour Sophie, 10. Forcément 10. 10. À se mettre, se remettre dans le droit chemin complètement après une petite erreur à la volée précédente. Et là, la pression est sur les épaules 9. Du duo de Saint-Jean-de-Bray. Allez, signer un 10 pour rester vraiment dans la course. Et c'est un 9 points. Un petit point d'avance pour le moment en faveur de Sarcelles. C'est ça, Sarcelles a maintenant son destin entre les mains. Si Sarcelles réalise 2-10, ce sera le titre. Ouais, il est beau ce magnifique X de Sophie Daudemont. Extrêmement bien tiré, aucun souci là-dessus. Et là, cette fois, la pression quand même elle est sur Thibaut de Goulet. Il sait que. S'il effectue un 10, effectivement, c'est le titre assuré. 8 points. Et on est sur la configuration inverse. Saint-Jean-de-Bray, 20 pour le titre. Allez, c'est 8 points. 8. Et donc c'en est terminé, hein. C'en est des chances de Saint-Jean-de-Bray qui devra se contenter de la médaille d'argent, quel que soit le résultat de cette flèche tirée maintenant par Clémence Fregnaud. Et neuf. Voilà, bah, ça aurait été quand même un beau match. Hein. Oui, beau match très intense. Et Sarcelles s'impose de 2 petits points. C'est peut-être le premier, sait-on jamais, des 2 titres de la journée pour Sophie Daudemont que l'on va retrouver d'ici peu pour la grande finale en individuel. Elle a le temps, avant j'espère, de profiter de son titre en mixte. On va écouter dans quelques instants quelques mots de la part des nouveaux champions de France dans la discipline mixte, à savoir Sophie Daudemont et Thibaut de Goulet. Sophie et Thibaut, on va pouvoir recueillir maintenant les impressions des doubles champions de France consécutivement 2018. Sophie, on va se tourner vers le public qui a été, je pense, assez sympa. Thibaut, mets-toi d'un côté ou de l'autre, comme tu veux. Sophie, oui. Ça a été indécis jusqu'au dernier moment. Qu'est-ce qui a fait le petit truc qui a fait la différence? Qu'est-ce que c'était? Je sais pas. On va chercher où dans ces cas-là? Peut-être un peu plus de volonté, un peu plus de continuité pour y croire et puis faire le 10 au bon moment. Donc c'est vrai que l'équipe adverse a été très très compétitive. Clémence a super bien tiré. Donc quelque part, j'avais aussi un peu ma fierté. On me dit, il faut que j'y aille aussi parce que. Donc voilà. Donc merci à l'autre équipe parce que c'est grâce à ça qu'il y a des beaux matchs. Tout à fait. Donc voilà. Ton expérience internationale aussi a dû te servir peut-être dans ces moments où il faut vraiment être dans sa bulle. Bah c'est vrai que sur la dernière volée, ça a été vraiment c'était serré, on était à égalité. Je recommence, je sais qu'il faut que je fasse un 10, donc c'est vrai que je me suis vraiment concentrée pour essayer de mettre notre équipe sur le bon rail et puis ça a fonctionné, donc voilà, c'est super. Très bien, les applaudissements à nouveau pour Sophie. Thibaut qui va nous dire quelques mots aussi. Parce qu'il y a une belle locomotive dans l'équipe, mais il faut rester accroché aussi à la locomotive. Bah, c'est sûr que Sophie, c'est une coéquipière en or. C'est un exemple pour nous. On est très content et très fiers de pouvoir tirer avec elle. J'étais pas sûr de pouvoir être là aujourd'hui. Il y a une semaine, j'avais le dos bloqué, j'étais à l'hôpital. C'était un petit peu compliqué. Les conditions étaient vraiment pas évidentes. Alors, on a essayé de s'accrocher sur les flèches décisives. On a eu un petit peu de chance aussi. Ça a marché. Un nouveau titre. Les applaudissements, s'il vous plaît, pour notre équipe championne de France en double mixte, arc à poulie. Après le superbe bagarre. Et on va pouvoir, dans quelques instants, sans aucune transition, eh bien, pourquoi on fait des transitions? On attaque, je crois, avec
les matchs individuels. Et on est toujours sur les arcs à poulies, match individuel pour le classement scratch dames. La médaille de bronze. Et dans quelques instants, arbitre. Les seniors, vous faites le passer derrière les tribunes, s'il vous plaît. On a une petite procédure de mise en scène pour l'entrée. Le bronze, le match suivant, médaille de bronze, scratch individuel pour les dames. Donc les coachs, merci de venir également nous rejoindre. Coach et les archères, s'il vous plaît, pour cette finale. Médaille de bronze. Dans quelques instants, l'entrée en scène de nos des coachs, l'arbitre, puis ensuite des archères. Allez, l'entrée en lice de nos coachs et arbitres, Sébastien Brasseur d'un côté, Michael Van Pouk de l'autre. On peut applaudir les deux coachs. Voilà, on passe cette fois aux premières épreuves individuelles de la journée. Nous sommes toujours à l'arc à poulies. On va commencer par les femmes et par la petite finale pour l'obtention de la médaille de bronze. Nous allons voir Lola Grandjean face à Clémence Frégnaud. Clémence Frégnaud qui s'est inclinée face à Sophie Daudemont en demi-finale. Lola Grandjean a perdu quant à elle face à Lucie Burnet. Numéro 1. J'aimerais que vous applaudissiez, s'il vous plaît, très fort. C'est l'année dernière, mais puis la 9e place. Clémence Frégnaud, évidemment, que l'on a vu. Et qui est licenciée à Saint-Jean-de-Bray. Et sur la cible numéro 2, Grandjean de Draveil-Sénart, club France, a l'occasion de voir régulièrement aussi sur des finales de championnat de France. Elle était d'ailleurs, Lola, championne de France l'an passé dans la catégorie junior. Et notre arbitre de ligne, Jean-Loup Terrien. Et un petit salut de l'arbitre de ligne. L'arbitre de cible et l'arbitre marqueur, Michel Michaud. Alors en individuel, on repasse à 5 volets, hein, c'est ça ? C'est ça. En individuel, on va repasser sur 5 volets de 3 flèches, donc 15 flèches au total, un total de 150 points possibles. Et on cumule les points. Donc voilà, ça va être la Lola de commencer. Lola qui revient tout juste de Junior Cup à Bucarest. Également une jeune archère de l'équipe de France, junior. Cette année au centre national arc à poulies, coaché par Sébastien Brasseur, qu'on voit juste derrière à Dijon, c'est ça, hein. Tout à fait. Allez, c'est un 9 pour débuter cette petite finale. Et le vent qui s'invite toujours au bon moment, hein. C'est-à-dire qu'il s'était calmé pendant la pause. Et ces jeunes femmes arrivent sur le pas de tir. Le vent revient. Allez, 9 partout. 9 points ici. Alors en individuel, bien entendu, une volée, c'est 3 flèches. 10. Avec toujours ce tir alterné, ce duel sur les pas de tir des finales. 6 points sur 6. Cette flèche. Petite erreur là. Oui. Et c'est un 9. Oui. Allez, Clémence qui doit essayer, même s'il ne va pas pouvoir recoller au score. 10 points, il fallait de toute façon. Voilà, il faut essayer de rester dans la course avec seulement entre guillemets 3 points de retard. Allez, première volée entre elles, nos deux finalistes. Médaille de bronze pour ce classement scratch féminin. L'avantage de connaître déjà le pas de tir final, la finale pour la finale précédente. Et puis ensuite, nous
en double mixte, ce qui effectivement peut être un atout sur les petits ajustements en fonction du par rapport au terrain d'entraînement qui est quelques mètres plus loin. Maintenant voilà, il y a une petite erreur de tir. Je pense aussi à cause du vent encore, qui est effectivement s'était calmé entre les deux matchs. Et il est joueur, hein, le vent, hein, parce que même au moment où il faut aller vérifier les flèches, on dirait qu'il se repose un petit peu. Et en tout cas, Lola a fait une belle volée sur cette entame de match. Vous voyez, on a une bonne ambiance, hein, dans le monde du tir à l'arc. On discute même pendant cette petite finale. On est décontracté. Oui, malgré ça, les archers se connaissent très bien. Ils se côtoient pendant 4 mois, quasiment un week-end sur deux. Allez, Lola, allez, en 28 points, regarde Clémence Prégnon, 25 agréable, points, le programme entame de la deuxième volée. Plus chaud lors des épreuves jeunes. Et puis, donc ce vent Clémence Prégnon qui va débuter. Qui vient sur et qui repart. Et c'est bien entendu Clémence Prégnon qui entame cette deuxième volée. Alors, un 9, oui, c'est sur le cordon. Il n'y a pas de doute. Un 9 également pour Lola Grandjean. On sent beaucoup d'intensité dans le tir de Lola. Je pense qu'elle a vraiment envie d'accrocher sa première médaille en senior individuel. Bon, Clémence n'est pas en reste avec... un 10 ici. 10 points sur cette flèche. 10. Un 9 pour Clémence. Un 10 serait synonyme d'un petit point d'avance supplémentaire. C'est un 9. C'est un 9. Pas loin, mais on va rester. Ouais, on va rester donc sur un écart. Similaire. Pour la deuxième volée entre nos concurrentes. De 3 points. Et on va avoir une volée. Je pense qu'il n'y aura pas de surprise au niveau des flèches, celle qui est sur le cordon. Les biens. Non, oui, je pense qu'il n'y a pas de souci là-dessus. Clémence Fregno et Lola Grandjean, 56. Alors, qu'est-ce que doit dire, selon vous, l'entraîneur de Clémence Frégnon à ce moment de la compétition? On est passé deux volées, elle est menée de 3 petits points. Je pense qu'il essaye aussi de la rassurer, dans le sens où, effectivement, 3 points de retard, mais rien n'est fait. Le principal, de toute façon, c'est tirer ses flèches comme on sait le faire. C'est de toute façon c'est comme ça qu'elles arriveront dedans. Donc voilà, c'est essayer de la rassurer, avoir un discours positif parce qu'elle vient de réaliser une volée, une bonne volée. Je pense qu'ils sont en train de discuter là-dessus, peut-être aussi de discuter d'autres choses, ce qui peut arriver pour certains archers qui aiment bien un peu se détacher de l'événement. Ouais, l'image Sébastien Brasseur, hein, qui est devenu entraîneur de Pompôle de Dijon et qui a été également un excellent archer. D'arrêter cette carrière. Elle a aussi très très gros palmarès. Finale de Coupe du Monde en 2007 et de nombreuses médailles depuis des années. Champion du monde en 2003 en arc à poulies en junior. Allez, c'est parti pour la troisième volée de cette petite finale. Huit.
Et 8 points. Huit également. Dommage pour Lola qui aurait pu accroître son avance. Neuf ici. Neuf. Allez, dernière flèche de cette volée. Importante pour essayer de grignoter quelques points. Huit. Ouais. Opportunité peut-être pour Lola. Oui, opportunité pour accroître son avance, pour gagner encore quelques points. Un 10, ça serait encore 2 points supplémentaires. On voit l'arc et le bras qui bougent. Et 8. Et 8 également. Et c'est un 8. Et ben, on va rester à 3 points d'avance. Ouais, les applaudissements, 78, vous pouvez y aller 80. Spontanément. On a toujours la parité des points sur cette troisième volée. 25 Jean qui poursuit tranquillement sa course en tête. Pour qui n'est pas encore suffisamment à l'abri, hein, bien entendu, pour clamer victoire. Il reste deux volées, mais qui est tout de même en bonne posture. Oui, c'est forcément plus agréable d'être à l'avant plutôt qu'être en retard. Donc là, forcément, elle entre guillemets gère le match plus ou moins, hein, parce que avec ces conditions là justement on peut partir à la faute et laisser l'adversaire revenir sur nous. La troisième du classement. Non, elle est... Rien n'est fait. Elle sait aussi justement que Clémence peut tout à fait revenir. Sur les trois meilleurs résultats de la saison obtenue. Et 689 points, le meilleur résultat pour Clémence. Voilà, toujours 3 points d'avance. Toujours 3 points d'avance. 692. 80-68. Le niveau très proche, l'une de l'autre est toujours 3 points en faveur de Lola Grandjean à l'entame du quatrième et dernier, de la quatrième et dernière volée, 81-78. Vous pouvez, s'il vous plaît, pour une nouvelle fois les motiver. Allez, on passe maintenant à la quatrième accession à la médaille de bronze. Les applaudissements du public de Rion. L'avant-dernière de cette petite finale. Évidemment, comme depuis le début de cette rencontre, c'est Clémence Frégnaud qui va débuter. Encore des grosses rafales. 8. 8 points sur cette flèche. 8 également. On voit que ça agace un peu Lola. C'est compréhensible. Comme je le disais tout à l'heure, quand on est habitué à des grosses performances, à toucher quasi tout le temps le 10 ou le 9, tourner autour, ça peut être agaçant. 8 encore pour Lola. 7 avant pour Clémence. Neuf, ça y est, on rentre dans le jaune. Allez, dommage, je pense que ça ne touchera pas. Et c'est vraiment pas loin. Les applaudissements, s'il vous plaît. On la voit rigoler. Cette dernière volée. Donc, a priori, on va rester à 3 points d'avance. On va attendre quand même la vérification des scores de flèche par les arbitres. Il y a un petit peu d'ombre là, difficile de se rendre compte. Je pense que c'est a priori ça touche pas les cordons. Non, je suis pas sûr, mais c'est vraiment pas loin. C'est là que dans ces cas-là, il faut accepter d'être un peu moins précis, essayer de garder un maximum de fluidité. Quatrième volée,
Allez, là, Laurent Jean qui devrait maintenir son avance de 3 points. Quatrième avance qu'elle détient depuis la fin de la première volée. D'avance pour Lola Grandjean sur Clémence Frégnaud. 3 points, 105 à 102. Et nouveau partage des points sur la quatrième volée, 24 points partout. Dernière volée pour aller chercher une médaille de bronze. Net avantage pour Lola Grandjean qui, si elle ne commet pas d'erreur, devrait monter donc sur cette troisième marche du podium. Les scores sont validés par nos arbitres de cible et arbitres marqueurs. Et on a 26 points pour Lola Grandjean sur cette quatrième volée. 26 points et 24 points pour Clémence Cagnot, ce qui nous amène à un score total de 107 Finalement, c'est 5 points à l'avance, c'est très confortable. Pour Lola Grandjean, forcément, la 5 points. Il suffit d'assurer trois fois guinée. Allez, Clémence, essayez de terminer sur une belle volée. Ce serait bien. Oui, c'est ça. C'est... De toute façon, il n'y a plus besoin de réfléchir. L'essentiel, c'est d'essayer de faire le maximum de points. De tirer le mieux possible. Ouais, un petit peu de difficulté à stabiliser la visée. Neuf points, ouais, c'est bien. Bon, voilà, Grandjean. Pour le moment, hein, dans les trois rencontres à laquelle nous avons pu assister ce matin, eh bien, c'est toujours la cible numéro 2 qui s'est imposée. Mm-hmm. Ouais, 10 points 10. Pour Lola. Ouais, elle accroît encore son avance. Elle est totalement en confiance et relâchée, ce qui va lui permettre d'apprécier encore mieux sa médaille de bronze. C'est bien pour terminer. Clémence Frégnaud, qui malheureusement va terminer à la quatrième place, au pied du podium. Et 10. Très très bien fini pour Lola. Ouais, belle volée pour terminer de la part de la nouvelle médaillée de bronze de l'épreuve individuelle en arc à poulies. Normalement, nous serons, la validation, mais normalement, il n'y a pas de flèche cordon qui pourrait prêter. On va quand même juste vérifier les flèches. Mais de toute façon, même s'il y avait un ou deux cordons, ça ne changerait rien. Et on va écouter maintenant Lola à Grandjean. De 136 à 128. Au micro du speaker de ces championnats de France. Lola Grandjean. Allez, Lola Grandjean qui va nous confier ses impressions et peut-être sa satisfaction sûrement de remporter cette première finale scratch après l'année dernière. Lola, bonjour et bravo surtout. Bah, merci. Le plaisir est différent de remporter un titre scratch d'un titre junior puisque ce titre junior tu l'avais remporté l'année dernière. Bien sûr, puisque déjà il y a beaucoup plus de niveaux chez les seniors femmes. Malheureusement, chez les juniors, pour l'instant, le niveau n'est pas très 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 élevé. Et du coup, bah, y a beaucoup d'écarts dans les scores et c'est plus plaisant de devoir batailler vraiment pour un titre qu'autre chose, quoi. Là, la bataille a été âpre, t'as bien maîtrisé, bien géré, le vent a été perturbant à un certain moment. Ouais, c'était quand même assez dur et franchement, il y avait des flèches, je m'étonnais moi-même qu'elles aillent dans le jaune. C'était très 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 chaud, donc bon, voilà. Satisfaction, championne de France junior l'année dernière, championne de France scratch cette année. Et le public, vous avez... Ah pardon, oui, médaille de bronze, oui, j'allais trop vite, désolé, j'ai pris un coup de vent. Et on va peut-être, on a un petit peu de temps, je crois, en enchaînant.
Oui, on va peut-être vous faire quelques cadeaux au public après ce match, d'accord. Après le match. Allez, pour l'entrée des coachs et de notre arbitre, s'il vous plaît, les applaudissements. Et pour cette finale pour la médaille d'or, j'aimerais, s'il vous plaît, que vous applaudissiez l'entrée en lice de nos archers pour cette finale médaille d'or pour les Scratch Dames. Voilà, c'est le moment de la grande finale individuelle. Ampouli, Scratch, donc avec ses seniors, l'élite. Allez, pour de, la présentation sur la cible de l'arc tricolore avec une nouvelle fois de plus, Sophie Daudemont, championne de France il y a quelques instants dans l'épreuve mixte. Sophie Daudemont ici présentée, mais tout le monde la connaît. Et pour la cible numéro 2, les applaudissements pour Lucie Burnet. Et Lucie Burnet, alors vous le savez, Sophie Daudemont tire pour Sarcelles, tandis que Lucie Burnet est licenciée à Neuilly-sur-Marne. Assistée par Bernard Lapierre, Jean-Maurice Martin et l'arbitre responsable Jean-Pierre Dimoya qui agit. Ah, évidemment, on va rester en 5-7, toujours la même formule, on n'a pas changé d'arc. Tout à l'heure, cet après-midi plus exactement, quand on passera en classique, on passera en point de 7. Là, on continue à cumuler les points. Sophie Daudemont pour le club de Sarcelles, Lucie Burnet pour le club de. Une finale d'habitués, parce que Lucie, on la connaît, on la voit quasiment tous les ans en finale ou dans les finales. Elle a eu l'occasion de participer également à quelques compétitions internationales il y a quelques années. Donc une habituée de ce genre d'événement. Et c'est Sophie Daudemont qui commence. Neuf points pour commencer. Huit. On voit Lucie qui directement met quelques clics au viseur. Alors c'est un remake d'une finale qui a eu lieu il y a 2 ans déjà. Et Sophie s'était inclinée. Point encore juste à côté. 19 à 16 pour le moment. Oui, belle flèche. Ah oui, X. 1-10. Sophie qui, d'entrée de jeu, hein, marque son terrain. 7 de l'autre côté. Quelques petites difficultés à gérer le vent du côté de Lucie, probablement. Sophie qui est déjà passée il y a quelques minutes sur ce terrain de finale. Ah ouais, on disait, hein, ça peut être un avantage, hein, évidemment. Et là, tout de suite, 6 points d'avance qu'il va falloir aller grappiller pour Lucie. Ouais, pour, d'entrée de jeu, si elle veut aller. Elle frappe fort, hein, Sophie Daudemont. Sur ce pas de tir de Rion, il faut vous féliciter, hein, ouais, l'ensemble des organisateurs de cette compétition, hein, qui avait les archers riomois qui avaient déjà organisé des championnats de France il y a 2 ans. Et 23 points pour on vous explique à chaque fois qu'on vient qu'on essaie ici à Rion avec les équipes emmenées par le président Julien Maigret d'organiser chaque année un événement d'importance. Et il faut noter que chez les jeunes, hein, déjà, Rion a marqué les esprits avec, je crois, 8 médailles et il me semble 6 titres. Oui, très très gros club, très gros centre de formation. Effectivement, quasi tous les ans, voire 2 fois par an, on vient à Rion pour le tir à l'arc. Donc, un grand bravo aux organisateurs et aux bénévoles qui, sans eux, ce serait très compliqué
d'organiser des compétitions. De... Et on retrouvera une équipe de Rion en finale cet après-midi. Ce sera dans l'épreuve mixte, cette fois chez dans la discipline de l'arc classique. 7 points encore, compliqué. Elle a du mal pour à, Lucie à rentrer dans le match, là, Lucie. Regardez la stabilité de Sophie. Oui, on voit les drapeaux derrière, mais Sophie qui bouge pas ou peu. La caméra avec le vent, ça bouge un peu. Des difficultés quand même. Allez, regardez. Allez, il a 7 points. Allez, vous avez vu le vent, non seulement les drapeaux nous l'ont indiqué, mais alors la caméra a bougé. 8 sur cette flèche. Toujours pas de jaune pour Lucie. Neuf points sur cette flèche pour Sophie. On voit que le vent a forci. On voit les viseurs qui ont du mal à se stabiliser. 8 encore pour cette flèche. Oui. Allez, Sophie qui vont profiter peut-être. Elle reste longtemps. Oui. Mais c'est un 9. C'est un 9. Elle a bien fait. Dans ces conditions, un 9, ça reste une belle flèche. On voit qu'elle continue à prendre des points. Ah, on est à 8 points d'avance désormais. Là, confortable pour ouais, forcément très confortable. Sophie d'Audemont. Même si on a seulement disputé 2 sets, il en reste 3. Là, ça va être très, très, très compliqué pour Lucie Burnet. C'est jamais impossible. Mais là, je pense que Sophie a mis déjà un pied sur la première marche du podium. Cette deuxième également cette saison de la Coupe du Monde de Berlin. Le perf aussi sur les Sophie Donnemont, donc comme on l'expliquait tout à l'heure, que l'on retrouvera au mois de septembre en finale de la Coupe du Monde à Moscou. Ouais, très bel événement, tous les ans organisé par la World Archery, des villes différentes. Et on se souvient de l'édition 2013 à Paris sur le Trocadéro, c'était magnifique. À chaque fois, il y a de gros efforts portés sur ces finales de Coupe du Monde où les tout meilleurs sont présents. C'est quoi? C'est les 8 meilleurs de chaque discipline? Alors, on va avoir les 7 meilleurs du classement. Et encore, c'est maintenant ça a changé depuis peu. En fait, désormais, on va avoir les 4 gagnants des Coupes du Monde. Il y a 4 étapes de Coupe du Monde chaque année, suivies de la grande finale. Donc, à la grande finale, on va retrouver les 4 gagnants de la Coupe du Monde, suivies de 3 meilleurs archers de la saison en fonction des points et un archer invité du pays hôte. Donc voilà, généralement c'est comme ça que ça se passe. Quand un archer gagne forcément plusieurs Coupes du Monde, oui. Bon, on va reprendre le classement de la Coupe du Monde et récupérer un archer. Donc voilà, forcément avec les résultats de Sophie cette année, elle était qualifiée. Encore du mal. Et voilà, une faute de tir ici. Ouais. Enfin, petite faute. Faute de tir, faute de. Pour Sophie. Surtout une visée compliquée. Allez, ça serait bien que Lucie en profite pour essayer de recoller un tout petit 9, peu, de se rapprocher. Ouais, on n'est pas loin du cordon, mais ça ne touche pas. On attendra la vérification. Allez, Sophie. Allez, 9 points ici, bien rattrapé. Ici. Un 9 également pour Lucie Burnet qui va reprendre minimum un point. Et 9. 9 points ici, donc 2 points de repris pour, c'est bien. Pour Lucie, 78-72. On reste quand même sur une avance confortable pour Sophie, mais voilà, ça la remet un petit peu en condition. C'est ça, ça la remet un peu en confiance. Deux jaunes déjà sur cette volée, ça faisait depuis le début du match qu'elle avait des soucis pour stabiliser la visée. On voit vraiment les arcs et les archers qui bougent vraiment beaucoup. Et un score de 78 pour Sophie Donnemont, la commande du titre 77 pour Lucie Burnet. Voilà, hier sur les éliminatoires, on avait moins de vent, mais beaucoup plus de pluie. Ah oui, énormément de pluie hier. Aujourd'hui, le temps est idéal, hein, parce que autant les jeunes ont souffert de la chaleur. Aujourd'hui, la température est idéale.
C'est seulement le vent qui vient un petit peu compliquer la donne. Mais hier, effectivement, de la pluie pour les qualifications. On a un peu eu les quatre saisons, j'ai l'impression, cette semaine. Donc, effectivement, la canicule pour les jeunes. Beaucoup de pluie hier, un peu d'orage. Forcément, là, on voit le terrain qui a pris un coup. Maintenant, ici, oui, un temps beaucoup plus clément, en tout cas pour le soleil aujourd'hui. Forcément, un peu de vent. Ça reste tout de même plus agréable pour les archers. Les deux dernières championnes de France qui s'affrontent sur cette finale. Les scores sont confirmés. 78, Sophie Dedémont, Lucie Burnet, 62. Allez, Lucie de repartir. La quatrième volée là aussi avec. Lucie Burnet, qui, je le rappelle, avait battu Sophie Dedémont il y a deux ans. Et s'était imposée pour le titre de championne de France. La quatrième volée. Cette fois, elle est largement dominée par Sophie Dedémont. Mais elle va tout faire pour au moins réduire l'écart. Et 8 encore. Toujours du mal sur cette première flèche. Ouais. Voilà Sophie qui laisse un petit peu l'arc bouger jusqu'au moment 9. Où elle prend la décision de vraiment stabiliser. De décocher. Et 10 points sur cette flèche. Ouais. Ça touche le cordon a priori. Ouais, on a vu précédemment Sophie vraiment essayer un peu de lâcher du lest en attendant que la rafale passe pour ensuite remettre entre guillemets un coup de collier dans l'arc et pouvoir vraiment affiner la visée et le tir. 8 points sur cette dernière flèche pour Sophie. Pour Lucie, pardon. Sophie. 9 ici. Fait un 9. Et qui reprend un point sur un point supplémentaire d'avance. 105,98. On va attendre la vérification sur une petite flèche au cordon, mais ça ne changera pas grand chose. Sophie, vraiment là, qui tient sa revanche sur la finale d'il y a deux ans. Le sourire, quand même, de Lucie. Qui sait que pour elle. A priori, ce sera la médaille d'argent, mais il reste bien entendu une volée à disputer. Il reste une volée, effectivement, c'est mal engagé. Maintenant, il faut rester positif. Vrai, d'ailleurs, j'ai l'impression qu'elle le prend bien, Lucie. Elle sait que Sophie a été très forte sur cette finale. Elle a commis quelques petites erreurs. Enfin, petites erreurs. Je pense que le vent l'a vraiment perturbée, Lucie. Oui, voilà, ces archers-là sont capables d'aller sur un match de 15 flèches, aller accrocher des scores aux alentours de 147 points, donc seulement 3-9 en 15 flèches, et là on voit vraiment que le niveau de performance est beaucoup plus bas, et on peut vraiment incriminer les conditions sur ça. Ouais, 10 points sur cette flèche, beaucoup plus stable, et forcément, c'est au milieu. Pareil sur cette flèche, très bien tiré, X. Tout de suite, voilà, dès que les conditions se calment, on retrouve un très haut niveau de performance. Ouais, 8 ici. Neuf. Allez, les deux dernières flèches avant l'obtention du titre par Sophie Dedémont. Un peu de crispation sur cette flèche. Alors, qui repart au 8. Est-ce que Sophie va terminer sur un 10, ce qui lui permettrait de gagner cette finale avec 10 points d'avance. C'est bien tiré. C'est 9. Et c'est 9. Et en tout cas, ça suffit. Elle remporte cette médaille d'or
dans l'épreuve individuelle poulie féminine, 133 à 124 points, 9 points d'avance. Très très beau parcours hein, de Sophie Daudemont qui est double championne de France puisqu'elle a remporté l'épreuve en mixte et maintenant en individuel. Chapeau Madame Daudemont, grande championne. On savait déjà, et bravo tout de même à Lucie Burnet pour être cette rissée encore une fois en finale. Les impressions de la championne de France à l'issue de ce match pour la médaille d'or. À nouveau, Sophie Daudemont pour nous dire quelques mots. Sophie, rebonjour. Et le plaisir est différent par rapport à... Oui, c'est différent. Le premier match, on partage la victoire, on est ensemble sur les belles flèches, on est ensemble sur les mauvaises flèches. Là, on est tout seul, donc c'est forcément des plaisirs différents. Après, il n'y a pas de plus beau plaisir ou de moins beau. C'est vraiment, c'est deux titres de championne de France sur ce championnat. Donc, je suis vraiment très heureuse. Bravo à Lucie, c'était vraiment des conditions très très difficiles. Là, le vent il se lève de plus en plus. C'était des bourrasques en plus, c'était pas quelque chose de régulier, donc difficilement gérable. C'est vraiment très compliqué, il monte par rapport au match de tout à l'heure. Donc ça pouvait partir d'un côté ou de l'autre. Il paraît un peu plus de force dans le vent, un peu plus de capacité peut-être, je ne sais pas. Donc un peu plus de puissance aussi, je pense. J'ai 60 livres, donc ça aide peut-être un petit peu. Donc j'ai eu beaucoup de chance sur ce match-là. Je sais que Lucie, c'est une très très forte concurrente avec beaucoup de hargne. Et quelque part, dommage qu'il y ait eu ce vent-là parce que le match aurait pu être beaucoup plus intense et beaucoup plus difficile. Très bien, bel hommage, Sophie Daudemont, championne de France, et beaucoup de fair play. Et on va pouvoir distribuer des cadeaux en attendant la finale homme. Et bien on va voir, on y va. Le public, êtes-vous là? Est-ce que vous voulez des cadeaux? Alors, on a trois cadeaux à vous offrir avant la finale, messieurs. On va offrir à qui? Qui en veut? Est-ce que, allez, maximum de bruit s'il vous plaît pour savoir qui veut des cadeaux? Mademoiselle, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Vas-y, tu lances un coup à droite, un coup au milieu, un coup à gauche. Attention, c'est maintenant qui veut des cadeaux? On y va! Voilà, attention. Non, te laisse pas influencer, voilà. Et cet après-midi pour les finales classiques, il y aura d'autres cadeaux avec un gros lot surprise. On met quoi? Un gros Saint-Nectaire? D'accord. Un arc? Non, un arc. Comme ça, jeter pour... Ah d'accord. Waouh. Attention, il va falloir être là cet après-midi pour les finales. Et pour l'instant, on va se régaler après la finale scratch. Dame Pouli pour la médaille d'or. Eh bien, on va procéder maintenant au beaucoup de vent ici. En tout cas, un vent qui tourne, qui intervient régulièrement au moment des finales, les petites et les grandes finales. Et nous allons passer maintenant à l'avant-dernier match de la matinée. Nous restons à l'arc à Pouli. Nous passons chez les garçons cette fois avec la petite finale qui oppose, vous allez le voir sur ce tableau de présentation, de bons archers évidemment. Avec, vous voyez, en haut de l'écran, Jean-Philippe Bouch, que l'on retrouvera en finale, puisqu'il s'est imposé face à Yann Damour, que nous allons voir dans quelques instants. Qui va affronter les applaudissements des spectateurs de Rion. Pierre-Julien Deloche, bien connu. Le voilà, Pierre-Julien, bien connu du monde de l'arc à poulie. Et donc Yann Damour que vous connaissez bien, j'imagine, Quentin. Oui, c'est un collègue d'entraînement, un jeune qui monte depuis cette année. Attention, il va falloir rester neutre. Hein.
Mais Pierre-Julien est un très bon ami également, donc forcément que le meilleur gagne. Yann qui a commencé l'Arcapoulis cette année, donc vraiment très très grosse révélation. De très belles performances tout au long de l'année. Pierre-Julien qu'on ne présente plus. Ancien numéro 1 mondial, beaucoup de médailles mondiales et européennes autour du cou. Voilà, gros match en perspective. Ah, ça va être l'expérience face à la jeunesse. Exactement, un peu de fougue face à l'expérience. Alors, c'est vrai qu'on tire à l'arc, je pense que l'expérience est important. Mais ça ne fait pas tout. Et on va repartir donc pour 5 volets au terme desquels nous connaîtrons qui est le médaillé de bronze de ces championnats de France ici à Rion. Et c'est Pierre-Julien Deloche qui entame les hostilités. Il commence par un 9. Un 10 pour Yann Damour. Et on voit ici que Pierre-Julien utilise un décocheur à pouce, lui qui d'habitude tire en back tension. 8 points ici. Oui, 10 points. Belle flèche ici. Ouais. Allez, Yann Damour. Qui peut passer devant. Oui, très belle flèche. Bien tiré. Je suis pas sûr que ça croche le 10. Pas, mais en tout cas, a priori, il a 2 points d'avance sur cette première volée. Yann Damour, on va attendre l'officialisation par les arbitres. Mais j'ai l'impression que ça ne touche pas le cordon. Non, ça ne touche pas le cordon, mais c'était reste... Une flèche bien tirée, c'est ça le principal, j'ai envie de dire. Celle-ci, vous voyez, elle est de toute façon bien à l'intérieur. Mais à l'intérieur. Et Pierre-Julien Deloche, 27. Pierre-Julien. Il va tenter évidemment de ramener une médaille de plus pour le club hôte de ces championnats de France, qui en a déjà beaucoup, mais on n'en a jamais assez, hein, des médailles. Tout à fait, et puis Pierre-Julien qui ressort encore d'une très très grosse saison internationale. Je le disais tout à l'heure, une médaille d'or il y a quelques semaines à Berlin. Donc forcément une saison qui a été très dense. Beaucoup de compétitions parce qu'il y a eu forcément il y a eu 4 étapes de Coupe du Monde, il y a eu les Jeux Européens, il y a eu les Championnats du Monde. Donc Pierre-Julien, ça doit faire 3 mois qu'il tourne autour du globe. On peut avoir un calendrier chargé aussi hein, quand on est archer au niveau international. Il faut jongler un petit peu, enchaîner les épreuves individuelles par équipe. Enfin, je pense que le mois de juin de Pierre-Julien a été très très dense. Quasiment 3 compétitions sur 4 semaines. Donc, forcément, je pense qu'il est aussi content d'être sur ce terrain de finale là. Allez, c'est Pierre-Julien Deloche qui va entamer cette deuxième volée puisqu'il est mené au score. C'est un 9. Pour Yann Damour. Vraiment très très beau début de rencontre hein, pour ce jeune archer de Rennes.
Oui, oui, X pour Pierre-Julien. Très belle volée, très belle flèche, pardon. Quelques difficultés au début à stabiliser, mais il a réussi à faire le job, comme on dit. 9 points sur cette flèche. Qui est bien assuré avec le vent qui s'est relevé là à l'instant. Oui, belle flèche encore. 10 points. Oui, belle volée là. De la part de Pierre-Julien. Avec 2-10. Yann qui va essayer de faire de même et maintenir ainsi son avance. 10. Oui, 10 points 10. Encore. Voilà. Superbe deuxième volée qui mérite d'être applaudi un peu plus fort de la part du public. Yann Damour, Pierre-Julien Deloche, 29 points chacun. Yann Damour garde son petit point d'avance. 57-56 en faveur néanmoins attendre plus jeune des deux archers. L'officialisation de ces résultats. Voilà, juste un petit point d'avance. De cible, mais il n'y avait pas de flèche qui pouvait prêter interprétation entre les deux archers sur cette deuxième volée. Pour cette finale individuelle pour la troisième place. Alors, on est très concentré. Hein, les conseils de l'entraîneur. Oui, on écoute, on essaye de rester concentré. Il y en a quelqu'un qui a besoin de rester concentré. Pierre-Julien est quelqu'un qui sait gérer. On voit qu'il est à l'international. Très tranquille avec Morgan, son coach. Forcément, l'expérience aussi qui parle. Ils ont besoin de communiquer parce que l'expérience est habituée. Mené d'un petit point par Yann Damour. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur Yann Damour? Vous connaissez très très bien. Yann, ouais, c'est quelqu'un qui a commencé l'arcapouille cette année, qui en veut, qui aussi essaye de comprendre vraiment comment ça fonctionne. A priori, il a l'air de. Il a plutôt bien compris quand même. Je pense qu'il a la petite compris, finale. Oui. C'est le premier championnat de France. Non, quelqu'un qui est très à l'écoute et très travailleur. Donc forcément, quand ça paye comme aujourd'hui. Alors qu'est-ce qui fait que tu peux avoir envie de changer de discipline, passer de l'arc classique à l'arc à poulie? Ça a été mon cas par exemple. Plusieurs choses peuvent motiver ce changement. Des fois où on a l'impression d'avoir un peu fait le tour, de sentir qu'on est un peu au niveau à ses limites de performance. Du coup, on a envie de rester dans le tir à l'arc. Oui. C'est un 8 ici. Le point a bougé. Non, oui, comme je disais, on a la sensation d'avoir un peu atteint les limites de ses performances dans une arme et on a quand même envie de continuer à faire du tir à l'arc, envie de tester autre chose. C'est également c'est un 9 ici. C'est également sa première année en senior, donc ça peut être aussi influencer le choix. Dans le sens où on se dit, bah voilà, j'ai eu un niveau en junior, mais le niveau en senior et en junior n'est pas le même. Allez, 10 points bien rattrapés ici. Ça touche le cordon. C'est vraiment, ça navigue beaucoup en visée. On voit les flammes qui bougent énormément. Donc ça doit pas être facile pour les archers. Un 9 ici. Oui, c'est un 9. Ouais. On entend vaguement de loin aussi le décompte. Les archers ont 20 secondes pour tirer chaque flèche. Et de temps en temps, ça peut être un peu compliqué, dans le sens où on n'a que 20 secondes et on n'a pas le temps d'attendre que la rafale passe. Et 8 ici. Et ça fait une égalité. Une égalité. Pierre-Julien qui remet les pendules à l'heure et qui, au terme de cette troisième volée... Pierre, revient égalité, 83 partout. On attend la confirmation, comme d'habitude, des arbitres. Mais voilà, les deux prochains sets vont être déterminants pour l'obtention de cette médaille de bronze.
crois qu'on peut leur redonner quelques encouragements, s'il vous plaît, pour Yann Damour et Pierre-Julien Deloche, qui nous offrent une très belle finale pour la troisième place. Lyon et Rennes Compagnie pour nos deux archers sur cet affrontement. Yann Damour qui est sur la saison régulière. Alors, pour quelques mots de votre club, Rennes. Moi, j'ai eu l'occasion de parler beaucoup de Lyon durant ce week-end. Oui, donc, à juste titre, qu'on soit équitable. On a parlé un petit peu de Rennes aussi, puisqu'on vous a vu sur des épreuves juniors, les gens de Rennes. Mais voilà, qu'est-ce que vous pouvez dire de votre club que l'on retrouve régulièrement? C'est un club formateur. Club qui se veut formateur, qui essaye de faire progresser les jeunes, qui cette année avait 4 équipes au niveau national, donc en division 1, classique homme, classique femme, polyhomme, polyfemme. Malheureusement, notre équipe polyfemme redescend pour l'année prochaine en division régionale. Mais voilà, un club qui se veut formateur, forcément. Un des plus gros clubs de l'Ouest français. Quelques 160 et quelques licenciés. Ouais, c'est pas mal, hein, parce que Rio, c'est 190, c'est le deuxième club le plus important en France. Donc 160, vous n'êtes pas très loin. Non, on n'est pas très loin. Après, je pense que ce n'est pas forcément la bataille des licenciés. L'idée aussi, c'est d'être... c'est d'être vraiment former les jeunes du mieux possible. Alors ce que je vous propose, c'est qu'on a la chance d'avoir à notre côté Sophie Daudron, double championne de France, qui va prendre quelques instants votre micro, Quentin, vous le récupérerez juste après. Elle va s'asseoir, on va parler d'elle et puis on va commenter aussi cette finale. Bravo Sophie. Alors merci. Deux titres de championne de France aujourd'hui. Je suis vraiment heureuse. C'est une belle journée, un beau championnat de France. Et puis c'est la suite de l'année dernière. L'année dernière, j'étais également repartie avec deux médailles d'or. Donc je suis vraiment super contente, même si les conditions sont très très difficiles aujourd'hui. Et puis vous avez fait une très belle saison cette année, avec de belles perfs. Ouais, j'ai eu un petit peu de difficulté en début de saison. Peut-être de me remettre de l'année dernière qui était excellente. Puis je termine bien à partir des championnats du monde avec la médaille en mixte, le vice-championne du monde avec Pierre-Julien sur le championnat du monde, médaille de bronze sur les Jeux européens en individuel et puis Berlin où je fais médaille d'argent qui me permet de me qualifier pour la finale de la Coupe du Monde. Oui, et puis justement, vous finirez sûrement très très bien, on l'espère, cette saison avec cette finale de Coupe du Monde à Moscou. J'espère aussi. C'est votre troisième? Oui, bah la première c'était en 2013. Je venais tout juste d'arriver en Arcapouli. J'étais l'invité puisque c'était en France. Donc ça avait été très très difficile cette première. La deuxième, on se remet un peu de temps après 4 ans d'absence. Et puis effectivement, là je vais tout faire pour bien préparer la finale et puis réussir à faire quelque chose de sympa. Alors on va finir de commenter ensemble cette petite finale masculine avec un coude à coude entre ces deux archers. C'est vraiment très serré entre les deux archers, donc ils étaient à égalité avant cette flèche là. 10. Donc un point d'avance pour Yann. Donc voilà, comme je disais, c'est des conditions vraiment difficiles, hein, ça se voit. Donc Pierre-Julien, je pense qu'il a pris le décocheur à pouce, quelque chose qu'il n'aime pas trop, mais c'est vrai que là, prendre le bac, c'est pratiquement impossible. Alors Jean-Philippe, je pense qu'il va garder son bac parce que lui, il s'est tiré avec ça, mais ça fout. Alors Yann Damour est comme vous, j'ai envie de dire. Alors il est plus jeune, excusez-moi de dire ça, mais il est passé de l'arc classique et en première année senior, vous savez, un petit peu plus tard, mais en première année senior, il a choisi de prendre l'arc à poulie. Vous avez eu la carrière que l'on connaît et que l'on a rappelé pour le principe, mais tout le monde le sait, la carrière que vous avez eue en classique et puis votre décision de passer à l'arc à poulie il y a quelques années. C'est parfois, j'imagine, des périodes de transition difficiles. Et là, on le voit, ça peut être le cas aussi peut-être pour vous, mais pour Yann Damour, première saison en arc classique, à poulie. Et il est dans une petite finale déjà, comme quoi on peut s'adapter rapidement. Mais après, je pense que si on a les bonnes bases, moi, je pense pas que l'un et l'autre soient incompatibles.
Il faut avoir des bonnes bases pour que justement ça serve sur les deux armes. Les qualités d'un arc classique peut servir et servent forcément à l'arc à poulie. Donc moi, ça m'étonne pas tant que ça. Maintenant, effectivement, un système de visée, le décocheur, ça change un peu. Mais voilà, quand on cherche la précision et quand on a une bonne base, voilà, ça peut que marcher. Voilà, et ben Yann Damour, un tout petit peu de petite marge pour aller chercher, pourquoi pas, sa première médaille lors de sa première saison en arc à poulie. C'est ce qu'on lui souhaite, mais face à lui, il a quelqu'un d'expérimenté, hein, que vous connaissez bien. Il y a le grand PJ, donc... Pierre-Julien Deloche, c'est un formidable athlète. Et voilà, donc on sait qu'il n'aime pas le vent, hein, tout le monde le sait, il ne le cache pas, donc c'est pas un secret. Maintenant, voilà, ça reste une petite finale de championnat de France. Il va rien lâcher, il va se battre. Et puis, il va aller jusqu'au bout. Donc, ça va être à Yann de vraiment faire le travail aussi, quoi. Ça ne sera pas donné par Pierre-Julien. Et c'est vrai que ce qui peut être perturbant sur ce pas de tir, c'est l'irrégularité du vent. Hein. C'est-à-dire qu'il est présent, hop, tout à coup, il disparaît. C'est ça qui a été gênant, plus que sa force. Oui, et puis il est à droite, à gauche, en face. Donc... il est très tournant, il se calme, il repart. Il n'y a pas de constance et c'est vrai qu'on ne peut pas s'appuyer là-dessus. C'est à chaque flèche, il faut vraiment remettre tout à zéro et voilà, on agit sur le moment vraiment présent. Quoi. Alors, c'est peut-être un œuf quand même. J'ai l'impression qu'il touche le cordon. On vérifiera. Ouais. Si c'est un œuf, on reste pour le moment à égalité. On voit que PJ, là, il est quand même assez propre dans sa technique, quand même. Et 10 Terminé, ouais. C'est vrai que, voilà, la pression, elle est sur les épaules de Yann Damour. Là, le vent s'est calmé, on dirait. 9 C'est un 9, voilà. Et c'est Pierre-Julien Deloche qui, peut-être grâce à son expérience, s'impose et obtient la médaille de bronze après un très, très, très beau... parcours hein, de Yann Damour, on le rappelle, première saison en arc classique. Il peut être fier de sa quatrième place, même s'il est assurément un petit peu déçu. On est forcément déçu avec une quatrième place, mais voilà, ça, comme tu dis, c'est un excellent parcours, un très beau parcours. Et il faut que ça serve pour les prochaines saisons et puis on le reverra. Le médaillé de bronze. Merci beaucoup en tout cas, Sophie, de nous avoir rejoint. Et puis bonne continuation. On va vous suivre tout au long de la saison. Et puis on aura un regard particulier sur cette finale de Coupe du Monde. Merci beaucoup. À Moscou. À bientôt, Sophie. Pierre-Julien. On va écouter Pierre-Julien Deloche. Face aux spectateurs. Je crois que vous pouvez l'applaudir, s'il vous plaît. Il n'a vraiment rien lâché. Et Pierre-Julien, je pense que vous serez d'accord avec moi si on fait applaudir aussi Yann Damour qui a fait une véritable bagarre de très très haut niveau. Absolument, bravo Yann. C'était un peu le duel de la jeunesse contre l'expérience, même si j'aime pas me considérer comme un vieux machin déjà. Mais en tout cas Yann... ouais, tu peux être déçu parce que y a pas de médaille au bout, mais là c'était un véritable match de finale que tu nous as offert. Et il a fallu que j'aille vraiment chercher tout au fond pour arriver à coller ces 10 dans ces conditions. C'est vraiment pas facile. Et je suis vraiment content de rapporter une médaille de bronze à mon club, les Archers Riomois, sur cette semaine de compétition où on aura traversé un peu toutes les météos, mais je voudrais assurer à ceux qui ne sont pas de la région d'Auvergne que c'est une belle région et on n'a pas tout le temps cette météo. En tout cas, j'espère que vous aurez apprécié votre week-end, votre semaine ici. Et pour revenir sur le tir de cette médaille de bronze, eh bien, après toute une saison de tir à l'arc en extérieur international, on est tous éreintés. Vous allez apprécier maintenant la finale avec Jean-Philippe et Sébastien, mes deux coéquipiers, avec qui j'ai remporté la médaille d'or à Berlin par équipe. Et on va être content de tirer sa dernière flèche. En tout cas, moi, je me sens libéré maintenant. Et
Ça fait du bien de finir comme ça. Voilà, merci. Allez, les applaudissements pour le médaillé de bronze. Voilà, Pierre Julien, voilà, qui s'est bien confié hein, au micro. Et c'est vrai qu'il a raison de rappeler que les deux finalistes que nous allons voir dans quelques instants, à noter Jean-Philippe Butch et Sébastien Pellot, eh bien, étaient ses coéquipiers sur la Coupe du Monde de Berlin. Oui, tout à fait. Oui, ils se sont imposés. Oui, c'est ça. Ils se sont imposés. Il y a quelques semaines à Berlin, ça fait quelques années maintenant qu'ils tirent ensemble. Plusieurs médailles à leur actif. Clairement, sur le papier, ce sont les trois meilleurs archers français pour le moment. Voilà le parcours de Sébastien Pellot et Jean-Philippe Butch. C'est maintenant pour la finale. Ils vont s'affronter maintenant. Alors que dans la petite finale, donc, Pierre-Julien Deloche s'est imposé. Un petit point. Je pense que Pierre-Julien est très très content de cette médaille, vu qu'il disait effectivement que cette saison a été vraiment éreintante, très très dense en termes de compétition. Bon, là, ça va être c'est le point de conclusion de cette saison pour lui. Alors, lui maintenant d'aller se reposer pour repartir au final très très rapidement sur la saison sale, qui va démarrer sur les chapeaux de roue dès le mois de novembre. Alors sur la cible numéro 1. Jean-Philippe Butch et sur la une, voici Sébastien Pellot, vraiment l'un des tout meilleurs archers en arc à poulie au monde. C'est un professionnel, Sébastien Pellot. Et je pense qu'on va assister à une belle finale. Oui, comme on peut dire, un match de titans qui s'annonce. Deux archers du même club, hein, de Rueil-Malmaison. Deux gens qui se connaissent à la fois en club, en équipe de France, qui passent beaucoup de temps à s'entraîner ensemble. Oui, qui se connaissent sur le bout des doigts. Donc cible 2 pour lancer. Sébastien Pellot, qui débute cette finale, la dernière de la matinée. Oui, donc si je me trompe pas, Jean-Philippe avait terminé premier des qualifications, donc c'est lui qui avait le choix de soit commencer, soit laisser la main. Il a décidé de laisser la main à Seb pour démarrer ce match. Peut-être une stratégie pour lire l'impact en cible, je ne sais pas. Peut-être pas, tout simplement une habitude. On voit une stabilité beaucoup. Un 10 très importante. Ouais. Et un 10 forcément au bout. Sébastien Pellot qui prend son temps. Il est bien libéré, dommage, un 9. Je pense qu'il va régler. Oui, voilà. Voilà, on a vu hein, l'erreur sur le visage hein, de Jean-Philippe Butch qui, au moment de décocher la flèche, s'est rendu compte tout de suite qu'il avait commis une erreur. Un peu rapide pour Jean-Philippe qui a l'habitude d'être un peu plus long que ça. 10 pour Sébastien. Au moins pour faire autant que Sébastien Pellot, un 10 pour passer devant. 9. Et c'est un 9. Je pense même que Sébastien va être devant, à confirmer sur les cordons. Oui. On va attendre que nos amis arbitres mesurer des points. Ça mérite quelques applaudissements pour l'une d'entre elles touche le cordon. On va avoir la vérification. Hein. C'est ce qui est annoncé premier abord. Alors, qu'est-ce qui s'est passé sur cette petite erreur hein, de Jean-Philippe Butch? Possiblement une flèche qui est partie un peu trop vite, un rythme un peu trop soutenu. Ça a dû le surprendre. Un point qui n'était pas forcément au milieu de la cible quand c'est parti. Il l'a tout de suite senti et la flèche est partie forcément un peu à côté. Jean-Philippe, c'est quelqu'un qui va connaître vraiment son tir. De toute façon. À ce niveau-là, il n'y a aucun souci. Les archers savent exactement, même avant que la flèche arrive en cible, où est-ce qu'elle va atterrir.
d'une belle carrière au niveau international. Pierre Deloche parlait tout à l'heure de cette victoire par équipe, en équipe de France sur la Coupe du Monde. Alors, que nous disent les arbitres? On va tout de suite assister au marquage. Donc, du score en dessous de la cible. Du score, oui, c'est ça, un point d'avance pour Sébastien. Oui, un petit point d'avance pour Sébastien. 28 points pour au terme de cette première Sébastien volée. Sébastien Penaud, 27 points. Jean-Philippe Bouche, vous les applaudissez, s'il vous plaît, tous les deux. Et on repart tout de suite. Et cette fois, c'est à Jean-Philippe de commencer la volée. Un 9. On sent un petit peu d'agacement. Je pense qu'il espérait vraiment un 10. Encore une fois, les viseurs qui ont tendance un peu à bouger, c'est-à-dire une difficulté à rester stable. Un 9 également pour Sébastien Penaud. Ouais. 10 points sur cette flèche. 10. Allez, on a envie d'une finale très serrée jusqu'au bout. On vous a entendu le A. Oui, Sébastien Penaud. 8 points sur cette flèche. Il fait un 8. Agacé. Parce que, ça peut se comprendre. Ce sont des archers qui font à l'entraînement au final très très peu de 9. Ils vont réussir à des performances de très très haute volée avec un enchaînement de 10 qui peut durer très longtemps. Donc là, forcément, partir au 8. Une deuxième erreur. Deuxième erreur qu'il a pour Sébastien. Du mal à... Alors du coup, Sébastien se voit maintenant mené de 3 points. Mené de 3 points, oui. Il a fait deux erreurs. Hein, mal à comprendre la dernière flèche. Effectivement, il était en bas. On voit les impacts ici. Impact bas jusqu'à cette dernière flèche, au 8 en haut. Sébastien Penaud, champion du monde il y a 2 ans, en 2017. Il sera également au championnat du monde en salle. Pour l'instant, 3 points de retard sur Jean-Philippe. On entend l'énumération de la part du speaker de palmarès, Sébastien Penaud, qui a été, on le rappelle, champion du monde en 2017. Champion du monde extérieur en 2017, champion du monde salle en 2016. Ça a été le premier archer au monde à avoir les deux titres en même temps. Et puis les belles perfs aussi. Donc forcément très très gros palmarès. La validation en ce qui concerne l'arbitre de cible. Alors les scores, 53 par à 56, a priori c'est ça. 3 points d'avance cette fois pour l'adversaire de Sébastien Penaud, Jean-Philippe Bouche, adversaire maintenant partenaire en équipe de France et en club dans les épreuves par équipe. Sébastien Penaud, cible 2, on débute. Être importante pour la confiance de Sébastien. Et tout à fait. Cette première flèche de cette volée, c'est un bien tiré, ouais. C'est encore bas. On n'est pas très loin du 10, mais c'est un 9. Ouais, ouais. Neuf. 9 points ici. Encore. Il restait 2 secondes. Hein. Oui. On a terminé avec ce tir. Le point est là. 20 secondes par flèche. Il est point ici. Il est bien ce 10. Il arrive au bon moment. Une
voit Seb qui... Allez, Sébastien, qui bouge beaucoup. Essaye d'aller au centre. Ne pas être trop distancé par Jean-Philippe. Ouais, voilà. Voilà, c'est fait. Belle flèche. Ça a chahuté, il a réussi à attendre le bon moment pour vraiment engager. 9 ici. 9 pour Jean-Philippe Bouch, qui permet toujours à ce tireur de mener. Oui, 3 points d'avance toujours, 28-28. Je pense qu'on... Voilà, je les sens un peu frustrés de ne pas pouvoir livrer bataille. Allez, encore à plus haut niveau, à coup de 30. Mais voilà, les conditions font que c'est forcément un peu plus compliqué d'aller chercher le centre de la cible. On entendait tout à l'heure Sébastien dire que sur un de ces 9 en bas que le point était là. Ben voilà, si le point est là, qu'elle est bien tirée, ça va forcément aller à cet endroit là. Allez, Sébastien Pénaud, le tenant du titre, vainqueur l'année dernière du championnat de France, vainqueur aussi en 2014, et Jean-Philippe Bouch, vainqueur quant à lui en 2016. Des habitués. C'est vrai que Sébastien Pénaud est des affrontements sur les oui, phases finales. Champion de France en titre pour Sébastien. Jean-Philippe avait gagné en 2016 à Sallanches. Ils sont des habitués hein, du titre. Mais je pense que quoi qu'il arrive, ils vont se battre jusqu'au bout pour aller en chercher un autre. Oui, c'est pas terminé, même si il y a une avance de 3 points pour Jean-Philippe Bouch. Sébastien Pénaud est en mesure de revenir, mais il faudra aussi compter un tout petit peu sur une erreur peut-être de Jean-Philippe Bouch pour l'aider à revenir au score. Mais de toute façon, Seb n'a pas le choix, il va falloir qu'il augmente son niveau, enfin son niveau, en tout cas qu'il arrive à être un peu plus précis malgré le vent pour mettre la pression sur Jean-Philippe. Et voilà, 10 points, c'est exactement ce qu'il fallait. De toute façon, Seb n'a pas le choix. Jean-Philippe, lui doit... Voilà, bah, oh, 10. A priori, ça se passe bien également pour Jean-Philippe. Bien tiré là-dessus. Ah, c'est dommage. Alors, que va faire Jean-Philippe Bouch? Un 9 également. Un 9. Pas contente. Non, frustré, je pense aussi oui, que le point puisse bouger. Oh. 9 ici sur cette flèche. Et 10 ici. Et 10. Belle volée de la part de Jean-Philippe Bouch, qui grignote un point supplémentaire. Oui, qui grignote un point supplémentaire, ça va être dur. Ouais. Ça va être dur, mais on ne sait jamais, c'est toujours pareil. Hein. On ne sait jamais. Là, de toute façon, Sébastien, sur la prochaine volée, n'a pas vraiment de questions à se poser. Hein. C'est 30 points minimum. Et après, on voit. Alors qu'est-ce qu'on garde là sur ces flèches? On voit Sébastien Pénaud. Alors Sébastien, je pense qu'il a vérifié ce qu'on vérifie généralement dans ces moments-là. Ça va être vérifier que les plumes sont restées bien collées. Des fois, ça peut arriver. Hein. C'est très peu probable, mais c'est toujours dommage de perdre des points sur une plume qui s'est décollée. Voilà, on essaye de vérifier aussi si les encoches n'ont pas été détériorées sur le tir par un groupement ou quoi que ce soit d'autre. Donc voilà, c'est principalement ça qu'on est en train de vérifier. On vérifie aussi si la pointe ne s'est pas un petit peu décollée, ce qui peut influencer le vol de flèche. Voilà, c'est des choses qui sont quand même un peu improbables, mais on ne sait jamais et on n'a pas envie de perdre le match sur quelque chose d'aussi bête, entre guillemets, j'ai envie de dire. Alors je discutais hier avec Benoît Binon, le DTN de l'équipe. DTN du tir à l'arc français, qui m'expliquait que bon, on changeait à peu près de flèche. Je parle là pour l'arc classique, vous allez me dire si c'est la même chose en arc à poulie.
En tout cas, on a une douzaine de flèches à peu près tous les 6 mois. Oui, c'est grosso modo à peu près ça. Alors qu'en Arcapouli, on va faire beaucoup de tests de spin, de flèche, donc de rigidité de flèche, 9 points ici pour Sébastien. Donc ça peut arriver de préparer plusieurs jeux de flèches, d'aller vérifier en fait, ce qui va grouper le mieux possible avec l'arc et l'archer. Donc voilà, en Arcapouli, on va vraiment essayer d'aller chercher le meilleur compromis entre l'arc, l'archer et la flèche pour avoir un groupé optimum. Mais grosso modo, oui, c'est à peu près ça, un jeu tous les 4-6 mois. Allez, ce qui peut arriver, c'est souvent aussi des flèches qu'on va utiliser uniquement en entraînement, des flèches uniquement pour les compétitions. Donc voilà, 19 points partout pour les archers. Voilà, c'est bien parti pour Jean-Philippe. Et on voit encore Sébastien qui lutte contre le vent. Et 8 ouais, ici. C'est un 8. Alors la porte est grande ouverte pour Jean-Philippe Boulch afin qu'il obtienne le titre de cette édition, titre de champion de France. En Arcapouli. Oui, voilà. 9, voilà, c'est fait. 9 points. Et les applaudissements, bravo à lui. S'il vous plaît, sur cette finale. Il a été plus solide que son adversaire. Nos deux duettistes. Aujourd'hui, en tout cas, Sébastien Pérou, qui vraiment grand nous champion de tir à l'arc, qui s'est imposé, qui s'est incliné, pardon, pour le champion face de France à son coéquipier en équipe de France et en club, Jean-Philippe Boulch, que l'on écoute au micro du speaker. Et avant de procéder à la remise des récompenses, le traditionnel interview du vainqueur, en l'occurrence le champion de France. Et on va pendant ce temps-là demander aux médaillés de venir derrière la tente protocole pour la préparation du protocole, justement. Champion de France, à nouveau, après une grande saison internationale. Grande, je sais pas, mais oui. La fatigue. Oui, la fatigue. Et il a fallu lutter contre le vent aussi. Pas du tout évident, j'ai l'impression. Non, c'est pas simple. Je suis un archer qui tire uniquement au bac tension. Et voilà, c'est pas simple. Si les archers tirent au bac, ils le savent. Déclencher, c'est pas possible. Donc il faut rester au maximum dessus et forcer pour que ça y aille. Mais bon, c'est assez compliqué. Sur les deux dernières volées, il y avait quand même moins de vent, donc c'était plus agréable. Voilà, ça passe. Merci à celle du coup pour la finale quand même. Et voilà, à la prochaine. La suite maintenant, c'est quoi? Repos? Plage, piscine? Sans vent, ça c'est pas mal aussi. Merci beaucoup en tout cas. Les applaudissements à nouveau pour nos finalistes. Voilà, et bien si Jean-Philippe Boulch va prendre un petit peu de repos, nous on va faire quelques minutes de pause également avant de se retrouver... tout à l'heure pour les épreuves en arc classique cette fois. Merci beaucoup Quentin de nous avoir éclairé sur cette spécialité, l'arc à poulie, qu'on aura l'occasion de revoir sur d'autres compétitions. C'est maintenant les podiums et on se dit à très vite pour les épreuves classiques. Et dans moins d'une minute, nous allons pouvoir ouvrir le protocole avec quelques mots pour ouvrir cette journée, cette remise de médailles. Jean-Michel Cavrois.
le président de la Fédération française de tir à l'arc, ça fait pour l'instant. Monsieur le président, vous allez pouvoir nous dire quelques mots quoi, avant l'entame, la remise des médailles pour les doubles mixtes et les individuels, hommes et dames, pour les arts. Monsieur le Président, si vous voulez bien vous donner la peine de nous dire quelques mots avant que nous recevions nos médaillés pour ces championnats de France tir en extérieur. Merci et bonjour à toutes et à tous. Quelques mots effectivement pour cette cérémonie des arcs catholiques. On va déjà remercier la commission technique qui est depuis le début de la semaine. L'ensemble des bénévoles, on aura aussi l'occasion de mettre en valeur avec le président Julien cet après-midi. En tout cas, le gros travail qui a été fait depuis une semaine, effectivement, comme on a fait tout à l'heure, Pierre Julien. On a traversé différentes époques météo au cours de la semaine. C'est comme ça, on a un tir de pleine nature, un tir extérieur, il faut qu'on fasse avec. En tout cas, un grand bravo et félicitations aux archers. Je pense qu'hier, il y a eu des conditions quand même un peu. On peut le dire aussi, hein, quand on fait du cyclisme sportif, on emploie aussi des superlatifs. Des conditions dantesques, parce qu'il faut, le savoir aussi. Il y avait déjà eu la D1 cette année, mais hier il y a eu la pluie, le vent, le froid, parce que c'était aussi la fin de journée plus compliquée. Donc bravo, félicitations à vous tous d'avoir fait quand même de belles performances, et puis aujourd'hui, d'avoir fait une bonne ambiance ce match entre celui qui est maintenant qui est aussi associé. Et puis la particularité cette année, effectivement, on a remis Marc Capelli avec l'arc classique sur le championnat de France, pour vraiment son championnat de France. On a encore quelques adaptations à faire, rien n'est figé. On fera en sorte que, eh bien, on fera encore le mieux possible pour que vous, les archers, puissiez trouver vraiment pleine satisfaction dans votre pratique. Voilà, je vais m'arrêter là et puis on va passer à la mise à l'honneur des médaillés. Voilà, monsieur le président, je vais juste me permettre, parce qu'on a encore un petit peu de temps avant la remise des prix. C'était important au niveau de la Fédération française de tir à l'arc, justement, de réunir les deux armes sur un même championnat. Oui, je pense que. On avait toujours ce qu'on appelait la DNAP d'un côté et l'art classique de l'autre. Je pense qu'il y a aussi, on a plusieurs disciplines, mais on a aussi différentes armes. Et c'est important aussi de mettre en valeur aussi l'arc à poulie avec l'arc classique. Je crois qu'on a, la chance aussi, quand on a vu tout à l'heure et on verra sur le podium, on a un niveau international ici en France, en tout cas, qui donne le pion au plus grand. On a toujours, on est toujours sur les podiums, on est toujours au top. On a vraiment un haut niveau au niveau de l'arc à poulie. C'était important de remettre l'arc à poulie aussi, voilà, sur y donner sa pleine et entière place au niveau des championnats de France. Très bien, merci beaucoup Jean-Michel Clairoy, président de la Fédération française de tir à l'arc. Nous allons pouvoir, oui, ça mérite quelques applaudissements aussi, s'il vous plaît. Et nous allons pouvoir maintenant enchaîner avec la remise des prix, le double mixte poulie dans quelques instants pour cette remise des prix. Et on va essayer sur ces trois podiums, double mixte et les individuels arc à poulie. On va instaurer un petit protocole d'entrée en lice pour nos sportifs, pour leur ouvrir la porte d'accès au podium. Vous déclenchez vos applaudissements maintenant, s'il vous plaît. Plus fort, on ne vous entend pas, le public de Rio. Voilà, ça c'est un vrai public de championnat de France. Pour la médaille de bronze, monsieur le président, je vais vous proposer de vous avancer pour remettre cette médaille de bronze au licencié de la première compagnie d'arc de Fontenay-sous-Bois, Alexandra Gallet-Dutrier et Chris Hennick, médaillés de bronze avec vos applaudissements. Une finale pour la médaille de bronze âprement disputée également. Une nouvelle médaille pour Alexandra sur les championnats de France en double mixte avec un nouveau partenaire. Une première association qui a mis dans le mille et qui remporte cette médaille de bronze que je vous demande d'applaudir à nouveau. Pour la médaille d'argent et le titre de vice-champion de France du double mixte poulie pour les archers de Saint-Jean-de-Bray, les applaudissements pour Clémence Fregnaud et Sylvain Vaute.
Là aussi, une belle association, sixième l'année dernière, et sur le podium, avec la médaille d'argent autour du cou. Je crois qu'une telle progression d'une année sur l'autre mérite quelques applaudissements supplémentaires pour les archers de Saint-Jean-de-Bray. Clémence Traignaud, Sylvain Vente. Et monsieur le président, vous allez pouvoir offrir la médaille d'or aux Arcs Club Sarcelles qui a conservé son titre de 2018 grâce à l'appui de Sophie Daudémont et Thibaut de Goulet, champion de France 2019. Ouais, une première expérience pour Thibaut de Goulet, ce qui nous expliquait qu'il a bien profité du dynamisme de Sophie Daudémont, qui a su placer son équipier dans les meilleures conditions possibles de confiance et de tir avec ce nouveau titre pour Arc Club Sarcelles. Sophie Daudémont, Thibaut de Goulet, les applaudissements à nouveau de tout le public de Rion. Les coachs, s'il vous plaît, pour ces double mixte, vous pouvez vous avancer pour rejoindre vos archers et vous allez recevoir avec Julien Maigret, le président des archers riomois, votre récompense. S'il vous plaît, les coachs, rejoignez vos sportifs pour recevoir Julien Maigret. Merci de vous avancer pour offrir ces récompenses aux coachs des trois équipes médaillées que je vous demande encore d'applaudir bien fort. La première compagnie d'arc de front donnée sous moi, médaille de bronze, les archers de Saint-Jean-de-Bray pour la médaille d'argent et l'arc club Sarcelles pour la médaille d'or. Et le président des archers riomois, organisateur de ces championnats de France, tir à l'arc en extérieur, jeune et adulte, nous sommes dans la phase adulte maintenant, et bien remet ses trophées aux coachs qui ont su aussi transmettre leur énergie à leurs archers pour qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes tout au long de ce tournoi. Je crois que vous pouvez à nouveau les applaudir très très fort, nos trois équipes médaillées. Merci beaucoup. On se retrouvera tout à l'heure pour l'hymne national qu'ensemble nous apprécierons. Et pour le moment, on continue avec le podium. Arcapouli, on change de registre, on quitte le double mixte pour passer sur le scratch féminin avec les trois meilleures dames qui vont dans quelques instants venir nous rejoindre à condition, le public de Rion, que vous envoyez vos applaudissements maintenant pour accueillir nos trois médaillés. Et Julien Maigret va remettre les médailles. Julien Maigret, merci de vous avancer pour remettre la médaille de bronze à la représentante des archers de Draveil-Senart, Val de Seine, troisième de ces championnats de France, Lola Grandjean. Lola Grandjean, championne de France junior l'année dernière, médaillée de bronze du classement scratch cette année. Ça mérite quelques applaudissements supplémentaires. Et pour la médaille d'argent, vice-championne de France pour cette saison 2019, pour Archerie Nocéenne Club, le club de Neuilly-sur-Marne, Lucie Burnet, deuxième. On est récompensé par Julien Maigret. Et pour la médaille d'or, un nouveau titre pour un palmarès déjà très riche, que ce soit au national ou à l'international, pour l'Arc Club de Sarcelles, Sophie Daudémont, championne de France 2019. Lucie Burnet, championne de France 2017, et présente en 2019, à nouveau sur le podium, s'il vous plaît, pour nos trois médaillés. Vous les applaudissez à nouveau. Pendant ce temps-là, on demande au coach de venir. Non, pardon.
Allez, les applaudissements à nouveau pour le podium individuel, le scratch femme Pouli. Dernier podium individuel, et on va pouvoir recevoir dans quelques instants le temps pour vous d'être prêt pour applaudir et accueillir le podium Pouli Scratch, messieurs, maintenant. Jean-Michel Clairoy, vous allez pouvoir vous avancer pour remettre la médaille de bronze au licencié des archers Riomois, troisième de ce tournoi individuel, Pierre-Julien Deloche. Pierre-Julien Deloche, les applaudissements à nouveau pour cette médaille de bronze. Pour la médaille d'argent et le titre de vice-champion de France pour le Rueil Malmaison Star, Sébastien Pénaud. Le champion de France 2018 qui passe la main en quelque sorte. Avec une belle finale, Sébastien Pénaud, là aussi, au parcours international pour cette saison, la médaille d'argent, le trophée, et à nouveau quelques applaudissements de votre part, le public. Il avait déjà eu le plaisir d'être sacré champion de France en 2016, il revient sur la plus haute marche du podium pour cette finale 2019, champion de France, classement scratch homme pour l'Arc à Pouli, pour le Rueil Malmaison Star, Jean-Philippe Bouch. Le trophée, la médaille, Jean-Philippe Boucher, champion de France, encadré par Sébastien Pénaud, le vice-champion de France, et Pierre-Julien Deloche, médaillé de bronze. Je crois que pour ces trois remarquables champions de niveau international, vous pouvez vraiment les applaudir très, très, très fort. Et maintenant, nous allons demander à nos médaillés dames et double mixte de venir rejoindre nos trois médaillés classement individuel Arc à Pouli. Et ensemble, avec la musique des archers Riomois, dans quelques instants, mesdames, messieurs, nous allons pouvoir écouter l'hymne national. Je vous demanderai donc, pour ceux qui sont assis, de vous lever, pour ceux qui sont couverts, de vous découvrir. Et dans quelques instants, nous allons avoir l'occasion de Alors, on va peut-être demander à notre soliste de se décaler un tout petit peu par rapport au vent, justement, qu'elle soit à l'abri du vent pour le micro. Et donc maintenant, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, en l'honneur de nos médaillés de ces championnats de France, tir en extérieur, Arc à Pouli, la Marseillaise. Entendez-vous dans nos campagnes, du jeu.
Et une ovation pour nos médaillés. Merci à la musique des Archers Riomois d'avoir entonné cette Marseillaise. Merci aux sportifs et sportives d'être restés avec nous. Merci à nos arbitres, jeunes arbitres, tous les bénévoles de l'équipe d'organisation. Petit break sonore, vous avez la buvette à votre disposition.